mascotte, les Nonstop Steaks, c'est à... Aïe. Non, c'est pas York. Si. Si, c'est à York. Hydock Sprint Cup. Et Nonstop Steaks, c'est à York, voilà, sur 1000 mètres. Et il est aussi deuxième du Hong Kong Sprint, deuxième du Alco Sprint, enfin un grand sprinter international, troisième de la Baie de Longchamp en France. Voilà, donc le cousin de Saul Power. Et donc le frère de Pencil Hill, Stacklamation, également sprinter. 1-2, c'est mieux, c'est nettement mieux. Merci. Voilà, le fils de Le Havre, donc. Combien pour les... On avait perdu le son pendant quelques secondes, c'est revenu naturellement. 3 000 euros pour débuter. 3 000 euros, allons-y. Le Havre dans les premiers produits prennent 3 ans cette année en 2014. Première production, je le répète, 3 000 euros, voulez-vous 3 ? 2 à 2 000 euros, 2 2 000 euros, 2 000 euros pour débuter. Père de 2 000 euros, le frère. Quinzaine de vainqueurs à 2 ans. Ils sont là au guette. Voulez-vous 1 000 l'enchère minimum 2 000 euros. Gagnant chez Jean-Claude Roger et pour la casaque de Jérôme-Augustin Normand du Prix Hérode, une listade. L'enchère de 1 000 euros seulement, le fils de Le Havre à 1 000. 1000 à 1000 euros seulement. Un Le Havre à 1000 euros. Mettez vos enchères. 1000, 2000, par mois l'enchère à 2000, à 2000, à 2000 euros. 2000, à 2000 euros. Cuco va l'enchère de 2000 euros. Le mal de Le Havre. Une grande liste en tête. À 2000 euros. Cuco va l'enchère. Fold de Le Havre. 2000 seulement. Nous sommes à 2000. À 2000, 2000, 2000, 3. À 2000, 3000. Voulez-vous 3 ? À 3000. Là l'enchère. À 3000. 3000. À 3000 euros. Cuco va l'enchère de 3000 en face de moi. L'enchère à 3000. 3000. À 3000 euros. Cuco va l'enchère de 3000 euros. Ah, attends, citez-moi l'enchère. Voilà, 3000, d'accord, on est d'accord, pas d'erreur. À 3000, on essaie 4000 ? Against you, sir. 3000, 4 voulez-vous ? À 3000 euros, l'enchère en face de moi, à 3000. 3000, à 3000 euros, pas de regret, à 3000, l'enchère est en face. À 3000, à 3000 euros, qui prend le relais, le mal de Le Havre, à 3000. Bonne famille maternelle, à 3000, oui. À 3000 euros, qui couvre l'enchère de 3000, 3, voulez-vous 3, 3, à 3000, 4 ? 500, 3500, 3500, 3500, de nouveau par vous l'enchère à 3500. Alors, le numéro 51, 3500 euros l'enchère. Le fils de Le Havre, avec une large liste en tête planche. Le cousin donc de Saul Power, champion sprinter de l'année 2013, Saul Power. Plus en face, fils de Kailaki. Merci de votre aide à 3500. L'enchère en face de moi, ici, à gauche, pas à droite. À 3500, à 3500, 4000, 4000, on y revient. 4000 par vous l'enchère. À 4000, à 4000 euros, à droite l'enchère. 500, 4500, 4500, à 4500, toujours par moi l'enchère. De nouveau à 4500, à 4500 euros, le marteau se lève et je vais la juger ici, pas là-bas. À 4500 et rien à droite non plus. À 4500, à 4500, 5000 par vous. À 5000 euros, 5000, à 5000 euros, oui. À 5000 euros, voulez-vous 5, voulez-vous 6 maintenant? À 5000 euros, against you. 500, 5500, on y revient, 5500, à 5500 euros, 5500, à 5500 euros, le bon poulain de Le Havre ici, à 5500, pas de regret, à 5500 euros ici, par mois, pas là-bas, à 5500, le marteau se lève, rien que par vous, oui, 6000, à 6000, on y revient, à 6000, à 6000, à 6000 euros, de nouveau à droite, l'enchère, à 6000, oui, à 6000 euros, pas là, et rien là non plus, à 6000, c'est bien vu, pas de regret, c'est votre enchère, Sophie, ici à droite, à 6500, 7, against you, 6500, 6500, vous le lac. 6000, à droite l'enchère. 6500, 6000, against you, sir. 6000 euros, l'enchère est ici. À 6000 euros seulement. À droite, pas là-bas. À 6000 euros. 500, 6500, 6500, à 6500, 6500 euros, toujours par vous l'enchère, à 6500, le marteau se lève, je vais la juger cette fois-ci, le fils de Le Havre. À 6500 euros, c'est mon enchère, pas de regret. Dernière fois, le marteau se lève, pas de regret nulle part, ici l'enchère, fini, pas de regret. 6500. Voilà, 6500 euros, on vient d'adjuger le numéro 51. Et on va passer à l'élevage de la Actière. Tiens, on ne connaît pas, Martha Vergani, qui nous présente de nouveau un yearling par Walking the Park et Gloire la mère. Le poulain qui est un mâle est nommé, il s'appelle Vado Forte. Le 52 est présenté par l'élevage de la Actière appartenant à Martha Vergani. Vado Forte, poulain B, né le 14 avril 2013 par Walking. Voici Alban Chevalier Dufaux à côté. Ah bah tiens, on est tout près de l'acheteur. Je ne connais pas son visage comme ça, du lot précédent, le yearling. Alors, le yearling qui est en train est un petit peu timide, mais il est très grand en plus, hein, disons. Oula, Walk in the Park est un étalon qui a beaucoup, beaucoup de modèles, qui fait la monte désormais. Walk in the Park, il fait la monte au Haras des Granges chez Mathieu Daguzan
Garros. Il a fait notamment cette année Dance in the Park, gagnante du prix Occitanie. Elle a produit une gagnante. Gloire Lamère est une fille de Sillery avec une mère elle-même pas. Charlie Hayes. Plusieurs bons chevaux dans le pédigré, donc. Le petit famille qu'on a vue notamment dans l'élevage Ed, l'élevage du Kenet avec Golconda, sa cousine, avec Glorosia, gagnante du groupe 1 dans le Félix Mile, son arrière-cousine. À Gloire Lamère elle-même a gagné, hein, 3 courses. Elle a déjà donné Gloriskaya, une Técrisque qui a gagné une course aux 1200 mètres, donc famille de vitesse. Et la grand-mère Green Moon est deuxième de Listed, prix Rose de Mai à Saint-Cloud. Listed qui se dispute au mois de mars pour les 3 ans femelles qui effectuent en général leur rentrée. Les 3 ans femelles à qui on prête un grand avenir. Alors, grand poulain ici que ce yearling de Walk in the Park, ce fils de Walk in the Park avec une mère, non pas Sillery, présenté par Laura de la Actière. À 1500 euros. À droite, c'est par 2000. Alors attendez, j'ai 1500 à droite. Vous me faites signe, on prend 2000. On est d'accord? 2000. Ici Guy Blasco, Lozarus. 2000 euros, c'est contre vous cette fois. Et on va retrouver le 2500, poulain 2500, qui va arriver dans l'écran. Le voici. 2500, 3000. Ce poulain de Walk in the Park à 3000 euros. 2500 euros, l'enchère est à droite, on met 3 si vous voulez. 2500 euros, l'enchère est à droite, on met 3 si vous voulez. Would you like to try 3000? 2500 on the right side. Vraiment le... Would you like to try 3000? L'enchérisseur. 2500, l'enchère est à droite. Ok, 3, voulez-vous 3? 3? 3000? Oui? 3000 euros à gauche, l'enchère de nouveau à 3000. Voilà, l'enchérisseur qui vient de mettre 3000. Emmanuel Viau lui a arraché 3000 à cet enchérisseur anglais ou irlandais. Et en face, ça a répondu du tac au tac à 3005. Alors là, du coup, notre gars, il est... Hop, ça y est, il est parti, il a compris, il est parti, il est lancé. Ici, le docteur Frémio, président du syndicat Exo, les éleveurs du Sud-Ouest. À 4000, oui. À 4000 euros, 500, 4500, 4500 euros. 4500 euros. Alors, du coup, on était à 2500, on était scotché. Et là, on est passé en quelques secondes à 4500 euros. À droite, l'enchère. 5000 euros de nouveau par mois, l'enchère à 5000. 5 à 5000 euros, c'est contre vous, Laetitia, cette fois. 5000 à 5000 euros, le mal de Walk in the Park, pas de regret. Le marteau se lève, je vais la juger à gauche. À 5000 euros seulement, vous les laissez partir. Fini, Laetitia, dernière fois. Le marteau se lève, dernière fois. On a vu. 5000 euros. Votre enchère à 5000. Et voilà, c'est fait, c'est gagné à 5000 euros du côté droit de la salle. Le numéro 53 est présenté par les... Alors on va rester avec Walk in the Park avec le numéro 53. De nouveau un yearling présenté par le même élevage, hein, de la Actière, toujours Martha Vergani. Avec ce Walk in the Park et une mère par Balleroy, grand-mère par Sophie. Madame Viau qui nous présente les chevaux. Et totalise 50 000. Une souche difficile de lui coller une étiquette sur cette souche parce que sous la troisième heure, nous avons East Lawyer qui fut un excellent cheval de haie à Auteuil puisqu'il s'est imposé dans le prix Gaston Craner, une listed. Des chevaux de course en général dans cette famille assez solide, bien clamé, renormé, produit 8 foals, 6 en âge du cours. Il y a un vainqueur. La mère est une petite fille de Kumran, uniquement un vainqueur, un fils de Médali qui a gagné 2600 mètres. Gagnant de course principale en obstacle. Marseille. 3, 2, voulez-vous 2 à 2000 euros, 2 à 2000 euros, 2, 2000 euros, 2000 euros, à 2000, à 2000, à 2000 euros, la fille de Walk in the Park, petite fille de mon jeu, à 2000, 1000, à 1000 euros, allons-y, 1000, 1000 euros, la fille de Walk in the Park, à 1000 euros seulement, 1000, à 1000 euros qui m'appelle, 1000, mettez vos enchères, à 1000, 1000, à 1000 euros, 1000, 1000, 1000 pour débuter les enchères, à 1000 euros, 1000, à 1000 euros qui m'appelle, s'il vous plaît, 1000 seulement, nous sommes à 1000, mettez vos enchères, à 1000 euros, l'enchère minimum de 1000 euros qui m'appelle, la fille de Walk in the Park. Vous la laissez partir à 1000 euros seulement, à 1000 euros, allons-y, 1000, 1000 euros quelque part dans la salle, à 1000 euros pour débuter, à 1000, 1000 euros, c'est bien vu, 1000 seulement, la fille de Walk in the Park, petite fille de mon jeu, à 1000 euros, pas de regret, 1000, à 1000 euros seulement, vous la laissez partir, dernière fois, pas de regret. Retirez. Bon, bah retiré, on va passer donc au lot suivant. Le numéro 54 est présenté par le... C'est marrant comme nom ça, Dubai Light Millennium, et non pas Dubai Millennium.
fameux champion vainqueur de la Dubai World Cup en 2000, sous la barre des 2 minutes pour 2000 mètres, c'est extraordinaire. Vainqueur ensuite, comme à la parade, enfin à la parade, il a fait une démonstration dans les Princess of Wales Stakes, monté par Jerry Bailey, en remplacement de Lanfranco Ettori, qui était accidenté des suites d'un victime d'un accident d'avion, où il aurait pu laisser la vie d'ailleurs, c'était un accident d'avion terrible. Le pilote a disparu, enfin il a été mort de cet accident d'avion. Et donc voilà pour Dubai Millennium. Ici c'est Dubai LAD Millennium. Et d'ailleurs je vois aucun rapport avec Dubai Millennium dans le pedigree. LAD, ça vient de son père, Lindas LAD, le père donc de cette yearling Alzan. La mère, c'est une Audière, on l'a vu passer tout à l'heure sur le ring. La fille de Linda Zlad qui fait des gagnants en plat et en obstacle. Combien pour débuter? 3000 à 3000 euros. 3000 euros la fille de Linda Zlad. 3000, 3, 2, voulez-vous 2, 2, allez 1000 euros, 2, 2 pour débuter les enchères. Allez 1000, allons-y 2000, allez 1000 euros, 2000 euros, allez 1000 euros la Linda Zlad à 2000, à 2000, allez 1000 euros qui m'appelle 2000, voulez-vous 1000, à 1000 euros pour débuter 1000, à 1000 euros, allons-y 1000, 1000 par bouclier d'enchères à 1000 euros, 1000, à 1000 euros, allons-y qui prend le relais à 1000 euros seulement, 1000, à 1000 euros la fille de Linda Zlad, 1000, à 1000 euros qui m'appelle qui court l'enchère de 1000 euros seulement, 1000, à 1000 euros, vu, à 1000 euros, il fait les gagnants, je le répète, Linda Zlad. Le fils de Sadler's Wells, à 1000 euros seulement, nous sommes par vous guide enchère. 1000, à 1000 euros, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 1000. À 1000 euros seulement, vous la laissez partir, la fille de Linda Zlad, pas de regret. 1000 euros qui couvre l'enchère de 1000 euros, mais 500 si vous voulez. 1000, 1000, 1000 euros seulement, nous sommes, pas de regret, nulle part dans la salle, à 1000. À 1000 euros, c'est votre enchère, Guy. Dernière fois, 1000 euros, à 1000 euros, voulez-vous 500, 1000 euros. Apparemment, la mère, je crois qu'il est, je ne sais plus le prix exact de la mère, mais elle était partie à pas trop cher, et là, je crois que pour la yearling, elle marche bien pourtant. Ça va être resté dans des gammes basses. Dernier tour de salle à 1000 euros. Guy, c'est votre enchère. Pas de regret. On a dû. Donc on va passer au 55. Young 55 est présenté par Françoise Désert. Donc présenté par Françoise Désert. 28 avril 2013 par Young Zayn. C'est Paul Nataf qui a acheté de l'eau précédent. Dick Duty non, je dis ça, mais. Une victoire supplémentaire. J'en suis pas tout à fait sûr. Donc, Young Jane, le numéro 55, est une fille de Yum Zane. On continue dans la série des yearlings. Oui, c'est ça, Paul Nataf qui est en train de signer le bulletin ici. Et Yum Zane et Jeanne de Abbey par Kayazi. La nièce de Gertrude Belle, une fille de Sida qui avait gagné les Lancashire Oaks, un groupe 2. Famille de Not Nocato et Talon. Multiple gain, groupe 1. Et donc la pouliche Young Jane, présentée par Françoise Désert, va entrer sur scène. C'est donc une fille de Yum Zane, du robuste, du guerrier des pistes Yum Zane. 22 courses de groupe 1 consécutives, dont 2 victoires pour cet étalon qui fait la monte. O'Hara du Canet, Yum Zane, qu'on verra de, je ne sais plus si c'est demain ou dimanche, dans le circuit de la route des étalons avec Calformine, Nicky Darmore, que nous suivons bien sûr sur Francir, puisque Francir y suivra pendant la route des étalons tous les étalons qui sont développés complètement sur Francir. Voici donc cette petite pouliche par Yumzen et Jeanne de Abbey, présentée par Françoise Désert. 2000, à 1000 euros, 1000, voulez-vous pour débuter 1000, à 1000 euros seulement, 1000, 1000, 1000, 1000, qui m'appelle 1000, 1000, l'enchère minimum de 1000 euros, 1000, à 1000 euros, 1000, la fille de Yum Zane, à 1000 euros, c'est vu, à 1000 euros, qui m'appelle, il faut débuter 1000, 1000 euros, fille de Yum Zane, à 1000 euros, une bonne famille, à 1000 euros seulement, vous la laissez partir, pas de regret, 1000 euros, à 1000 euros, dernière fois, dernier tour de salle à 1000 euros, la fille de Yum Zane, dernier tour, à 1000 euros, pas de regret. 1000 euros seulement, vous la laissez partir, dernière fois, à 1000, à 1000 euros, mais 1000 par bougie d'enchère, à 1000, 1000, à 1000 euros, 1000 qui couvre l'enchère de 1000 euros seulement, 1000, à 1000 euros, l'enchère est là et on va la juger, à 1000 euros, vous la laissez partir, dernière fois, dernier tour de salle, à 1000 euros, qui m'appelle, 1000, non, 1000 euros, c'est votre enchère Guy, le marteau se lève, on peut la juger, la fille de Yung Zane, dernier tour de salle à 1000, pas d'en gagne ou pas, à 1000 euros, la l'enchère, on est. Le numéro 56. Voilà, alors une dame. Bras du Haguenay, l'Adélia. Pouliche B, née le 23 février 2013 par Slick Lee et Leila, fille de Laint. A noter que son frère Leiloken compte une place supplémentaire
et totalise 95 000. C'est une dame que je ne connais pas qui a mis une enchère, une seule, à 1 000 euros et qui était suffisante pour repartir avec Young Jane. Il a remporté la grande course de haies de Fontainebleau le 28 novembre et totalise 327 945 euros de gains. La fille de Slickly. Alors, Slickly, c'est l'Adélia. On a vu sa mère tout à l'heure, Leila. Elle a beaucoup de sens, cette Eric fille Clapton. De Slickly. Oh, elle est belle, dis donc. Costaud, elle a du modèle, elle a de la taille, elle a de l'os. Elle devient d'autres bons gagnants. Elle a une bonne touche. Elle est placée le groupe à plusieurs reprises. La fille de Slickly et Leila. Gagnante, pas gagnante, enfin gagnante de course, mais non, elle a jamais gagné d'ailleurs, la mère Leila, c'est étonnant. Mais par contre, elle a pris des places super. Deuxième du prix du Bois, deuxième du prix d'Aumale, des groupes 3 pour les 2 ans. Troisième du Robert Papin, ça c'est un groupe 2. Troisième aussi du prix du Calvados. Et donc voilà, cette Leila qui a défendu la casaque de M. Sandor, famille de Krios, Semir, avec une bien 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 belle pouliche. Yearling, donc jeune Yearling de Slickly. Regardez la famille, il y a 2002. À 2000 euros, la famille de Krios. À 2000, 2000, par Slickly. Mettez vos enchères. Slickly, l'un des étalons tête de liste. Voilà, Slickly, le père de Gris de Gris. Slickly, un des étalons, comme vient de le dire Emmanuel Vio, de tête de liste en France. 2000 euros, la fille de Slickly, pas de regret. À 2000 euros. Alors pourquoi pas plus cher? Parce que la mère a donné 6 pour donner un âge de courir un vainqueur? Probablement. 2000 euros, c'est vu. Dernière fois, 2000, 3000, 3000, 3000, par vous, Laetitia. À 3000 euros, 3000, à 3000 euros. Sylvain, contre vous. À 3000, à droite l'enchère. À 3, 3000 euros, qui prend le relais à 3000, oui. À 3000 euros, c'est votre enchère, Laetitia. Maintenant, 3000, à 3000. À 3000 euros, la mère par petite fille de Woodman, par la Hint, à 3000. 3, à 3000 euros, la famille de Krios, je le répète, à 3000 euros. L'enchère est à droite, par vous, Laetitia. À 3000 euros, Sylvain, c'est contre vous. Pas de regret. On met 500 si vous voulez. On essaie 3000. À 3000 euros, l'enchère est à droite. Pas de regret nulle part. À 3000, fini. À 3000 euros. À 3000 euros, l'enchère est à droite. Fini. Dernière fois. À 3000 euros, un petit instant de réflexion. Je vous laisse réfléchir. À 3000 euros, enchère à droite. Pas de regret. Plus là, pas à gauche. Le marteau se lève et on va la juger. À 3000 euros, on met 500 si vous voulez. Dernière fois. Oui, non. 3000, à droite l'enchère. Au téléphone. À droite, merci de votre aide. L'enchère à droite par Laetitia et on adjuge. Voilà, on adjuge à 3000 euros. Pas facile de vendre des yearlings hein, à cette époque-là de l'année. Le numéro 57 est. Il y en a quand même eu un à 13 000 euros qu'on a vu tout à l'heure. Eleganta, jument B né en. Non, on poursuit. Non, on poursuit pas avec les yearlings. C'était le dernier yearling. C'était le dernier yearling de la série. Un certificat d'aptitude. Eleganta présenté par Armorica, Armorica.fr. C'est la famille Geffroy. Une fille de Desert Style Poulinière. Alors, qui est un peu timide. Desert Style et Cover Girl pour la mère. Cover Girl gagnante de Listed en Norvège. Et la mère de Mr. Mananan, gagnant de Listed en France, lui, le prix CJ. Que des sprinters là-dedans. Plus récemment, nous avons eu Surdiman. La voici, la fille de Desert Style. Alors, Eleganta, c'est quand même la sœur. Gagnante de course principale. La propre sœur, même d'ailleurs. De la mère de Sudirman qui a gagné les Phoenix Stakes en 2013. Ça ne peut pas être plus récent, le Phoenix Stakes, c'est un groupe 1 en Irlande sur l'hippodrome du Curragh, le premier groupe 1 proposé au programme des 2 ans en Europe. En Europe, dans ce pédigré. Et elle est vide. Elle a eu deux produits d'Equiano pour l'instant, elle n'a pas couru. Voulez-vous 10 000, 8, 5, 5 000 euros pour les. C'est un très beau pédigré de Poulinière, vivant et récent. À 5000 euros, 5, 5, 5, 5. Pour cette fille de Desert Style, donc, qui est propre sœur d'une gagnante de Listed, mère de Sudirman, gagnant le groupe 1 l'année dernière en Irlande. À 2 ans. Phoenix Stakes. 5000 euros, 5000, 5, 5, 5. Regardez le pédigré, le meilleur 2 ans. Allez, meilleur 2 ans en Europe dans le pédigré, tout proche. À 5000 euros, qui couvre l'enchère de 5000 euros, 5, 6 en face. À 6000, à 6000, à 6000 euros, qui couvre l'enchère de 6000 euros, maintenant 6, 8, voulez-vous ? À 6000 euros, qui prend le relais à 6000, 6000, à Desert Style, 8, maintenant 8, maintenant à gauche l'enchère, Guy, toujours par vous l'enchère à 8000, 8, à 8000 euros, qui prend le relais à 8000, à 8000, à 8000 euros, 10, maintenant 10, 10, par vous Sylvain, Fresh Bidder à 8000, 12 maintenant, à 12000 euros, 12, à 12000 euros. Les enchères montent, ce qui n'est guère étonnant, même pour une jument vide. À 12 000 euros, c'est Guy pour le moment à 12 000, 12. À 12 000 euros, qui prend le relais à 12 000. Mais le pédigré est plus que solide. Et puis, on peut évidemment espérer que Surdiman, qui prend 3 ans désormais, un fils de Horizon Navigator,
eh bien, peut-être gagne, pourquoi pas, des Guinées, par exemple, en Irlande ou en Angleterre. St. James Palastex, enfin, ce genre de course, c'est tout à fait envisageable avec un gain de groupe 1 à 2 ans en 2013. 20 maintenant, 20 000, à 20 000 euros, toujours à gauche maintenant, à 20 000 euros, 20,000 euros, à 20 000 euros, 20,000 euros, we are now 20 000 euros contre Boulet ici à 20 000. Donc le top price pour l'instant, il est à 45 000 euros pour la QPS Sister Palma. Ensuite, nous avions eu 24 000 euros, donc on peut escompter, oui, le temps que je finisse ma phrase, voilà, que cette Eleganta, elle est pour l'instant deuxième top price ex aequo. Qui prend le relais à 25, 5, à 25 000 euros, 25, oui, à 25 000 euros, qui prend le relais à 8, 28 000, 28 000, 28 000, avant cher à 28 000. Deuxième top price tout court maintenant d'ailleurs. À 28 000 euros par mois, 30 000. Ah ben bah, 30 000. À 30 000 euros, à 30 000 euros, Guy de nouveau par vous l'enchère à 30 000. À 30 000 euros, c'est votre enchère, Guy, pour le moment à 30 000, oui, à 30 000 euros, 30, à 30 000 euros. On essaie deux. Against you, sir. 30 000 euros, c'est votre enchère. Against you, sir, donc nous avons un investisseur anglophone qui est pour l'instant sous enchérisseur. Là, c'est 31 000 euros. Mettre une enchère à 31 000 euros. On lui répond du tac au tac. 32, du côté de Guy Blasco, qui a donc un enchérisseur qui vient de mettre 32 000 euros. L'enchéré par vous, Guy, pas l'erreur, à 32 000 euros. Pas là-bas, pas en face. À 32 000 euros, à 32 000 euros. L'un des tout meilleurs deux ans européens, tout proche dans le pédigré. À 32 000 euros, nous sommes. L'enchéré par vous, Guy, pas l'erreur. À 32 000 euros, le marteau se lève. Je vais l'adjuger cette fois-ci. Pas de regret. 32 000, no regret. Last time, last call. Deuxième top price. 33 000 euros. Un retour de flamme de la part de Crispin Moubray qui vient de nous mettre une enchère. 34 000 euros. 34 000 à 34. One more. Would you like to try one more, sir? 34 000 euros. 5 si vous voulez. À 34 000 euros, c'est votre enchère, Guy, cette fois-ci, je la juge. Pas de regret. No regret. Last time, last call. L'enchère est là. Pas de regret nulle part. À 34 000 euros, le marteau se lève. Rien là, rien à droite. Fini, dernière fois. Voilà, juge. 34 000 euros. FBA, Jean-Pierre de Roubaix. Merci, monsieur. Le numéro 58 est prêt. Voilà, 34 000 euros. C'est Thomas et Benoît Geffroy qui vendent le deuxième top price de la journée. Le premier parmi les pur sang, puisque le top price, on le rappelle, c'était 45 000 euros. Sister Palma. Et c'est FBA qui vient de l'acheter. Cette Eleganta qui est pourtant vide de Rio de la Plata, mais dont le pédigré et le modèle, bien qu'elle n'ait pas couru, a suscité des enchères s'élevant à 34 000 euros. Alors, on va passer à la suite. Le 58. La voici. Tiens, on revient à Yearling. C'est son deuxième produit. Modèle, hein, dis donc. Combien pour débuter la famille maternelle de polyglotte, notamment. Un modèle, ce 58, département de la Nièvre, présenté par le radiologie. C'est un fils de Air Chief Marshall et Many Dreams, parlons d'eau. À 3 000 euros, mettez vos enchères. 3 000 euros, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros. Famille de Baylador, famille de polyglotte sous la quatrième mère, puisque la quatrième mère, c'est animatrice qui fut gagnante, cette fille d'allège de Dupri de Malray, qui a donné naissance à polyglotte, Saddle Flag. Elle est aussi à l'origine de. 1000, voulez-vous 1000 ? 1000 euros seulement, 1000 ? 1000 euros. Non, elle n'a pas donné naissance, c'est la sœur de Polyglotte, c'est la famille de Saddlemaker. Laetitia, votre enchère à droite, à 1000 euros seulement, 1000, 1000, 1000, qui couvre l'enchère de 1000 euros, vu, à 1000 euros, qui prend le relais, à 1000 euros seulement, 1000. Alors là, on était bien sûr sous la quatrième mère. Hein. Sous la troisième mère, on a Baylador, je crois qu'il a gagné le Grand Prix de Vichy, sous la casaque de Edouard de Rothschild, casaque jaune à l'époque. Là, à 2000, à 2000, à 2000 euros, qui couvre l'enchère de 2000 seulement, 2, à 2000 euros, oui, à 2000 euros, à 2000 euros, c'est mon enchère, c'est contre vous, Laetitia, maintenant, à 2000, 2000 euros seulement, le fils de Herschif Marshall, vous le laissez partir, pas de regret, à 2000 euros, en face de moi, l'enchère, dernière fois. 2000 euros, c'est contre vous, Laetitia. Pas de regret. À 2000 euros, c'est mon enchère. En face de moi, ici l'enchère à 2000. Dernière fois, on est d'accord. Votre enchère à 2000, pas de regret. Contre vous. Alors, 2000 euros. Dernière fois, pas de regret nulle part. C'est une enchère, monsieur. Non, certain. Pas de regret. À 2000 euros, le marteau se lève. L'enchère en face de moi, pas là. Fini. On a tout.
2000 euros en face. Les numéros 50. Alors. Ah, en face, donc Démon Fou, c'est le numéro 59. Il est par Le Fou qui est exporté en Irlande. Hein. En Irlande, exactement, le frère de Bon Jeu. Il s'agit d'un poulain alezan né le 18 mars. Présenté par l'élevage de Kathleen. Et peinture parfaite, fille de peintre célèbre. Ça paye Démon Fou. On est toujours dans la catégorie des jeunes yearlings. Il est né le 16 avril 2013, du coup. La mère n'a pas couru. C'est son premier produit. Se reporter sur la deuxième mère. La deuxième mère, c'est quelle beauté, une fille de Mansonien. On voit monsieur Robert Mongin sur la droite de l'écran du Haras de la Roque qui sera à découvrir très vite sur France Cire, le Haras de la Roque. Et de bien d'autres bons chevaux. La mère est sœur de plusieurs black type. Alors, donc, quelle beauté, cette fille de Mansonien, donc la deuxième mère de ce jeune yearling qui est assez grand. Hein. Voulez-vous 3000 pour débuter 3000. Comparé aux autres fall, enfin, junior link plutôt, de tout à l'heure. À 3000 euros, 3 à 2, voulez-vous 2. Côté gagnant de 3 courses sur 1600 mètres. De 3 à 5 ans. 2000, à 1000 euros, 1000, voulez-vous 1000. À 1000 euros pour débuter les enchères. 1000. Laetitia, c'est chez vous pour le moment. À 1000 euros, oui. À 1000 euros qui couvre l'enchère de 1000 euros seulement. À 1000 euros, 1000. À 1000 euros, bonne chance. 500, 2000 à gauche, à 2000, à 2000, à 2000, à 2000 euros, 2, à 2000 euros, j'ai 2000, c'est Guy maintenant, 500, 2500, à 2500 euros, à droite de nouveau l'enchère, à 2005, à 2500 euros, mettez vos enchères, 2005, 2500 euros, on the right side, 2500, 1000, 2500. On trouve une grande souche d'obstacles sous la quatrième mère, la quatrième mère c'est Sign of Life. Guy, c'est contre vous. À 2500 euros, pas là, rien là-bas. Mère de grand seigneur, gagnant groupe 2, gagnant du Way Monarch entre autres en France, et deuxième de groupe 1 dans le prix de Cambacérès. Et on retrouve également Sign of Life, c'est la deuxième mère du No Risk. On met 3 si vous voulez. Gagnant du Fino, pas de regret. Gagnant de la Péricole également, 3. Dernière fois, pas de regret nulle part dans la salle à 2005. Le marteau se lève. Fini. Et on a vu. 2500. Laetitia. Nous passons à la vente pour réduction d'effectifs. Alors, monsieur Jean-Pierre Coiffier. Qui est Jean-Pierre Coiffier? 62 au lot 82. 62 au lot 82. C'est voilà. Et il vend 20 lots de suite. En 1998, par Mansonien et Froufroulou. C'est pas rien. Alors le 61 est absent, tout comme le 60 qui est à l'origine une wildcard. Donc hop, on passe les pages, on passe directement au 82. Alors d'accord. Allez, non, au 62, pardon. Alors, tac. Mansonien. Bon, c'est pour les Russes, les Mansoniens. Ancien tête de liste, grand rival de Cadoudal. Qui faisait la manteau à la Croissonnet. Voilà. Voilà donc. Oui, en ce moment, son fils Diamond Boy. Appartenant à monsieur Jean-Pierre Coiffier. Voici le premier. Alors cette femelle, elle s'appelle Luba, est née en 98. Ah, la grande année 98. Ah, pourquoi? Elle a produit un gagnant. La Coupe du Monde. Ah oui, je pensais plutôt à l'Arc de Triomphe de Sega Mix. Ouais. Enfin bref, on passera. Arrêtez tout commentaire. Pas une grande année. Non. L'aide de Cléty, je le répète, vous l'avez vu 5000 euros. Elle n'a pas couru cette Luba. Elle est pleine de Cléty. 3002. Cléty qui portait la casaque de Jean-Claude Siroul. Ah oui, sacré cheval de course, Cléty. Tes points chez Domaine, tu l'as ? 8 victoires. Ouais. À 2000 euros, 2000, 3000, 3000, 3000, Guy l'enchère. À 3000 euros, 3000, à 3000 euros. Et sur la troisième mer, c'est Linamix. On retrouve évidemment Linamix et 4 juniors. Ah! Qui fait la montre depuis cette année. Il y a plusieurs produits de cette souche. Hein. Parce que là, on a la femelle 98 de Mansonien par Froufroulou. Qui s'appelle Luba. Ensuite, nous aurons Niangara qui est la femelle 97. 4000 euros à gauche, l'enchère. Arc de Triomphe. Super. Oh là là, il a failli faire la commettre erreur. Là, l'erreur fatale. Peintre célèbre. 5000, super célèbre. Non, encore. Super célèbre, dauphin d'Alakani dans le. Enfin, rival, à chaque fois il était battu, il faut être honnête quand même. Le petit rival. Oui, non, mais il était très bon. Mais c'est c'est vrai. Mais c'est pas facile d'être un rival de d'Alakani, vous faites marrer. Il faut quand même bouger les jambes. Bah oui. Et après, on a aussi de Froufroulou et de Nangaria. On a Nangaria Lamandou. On aura toute une série là qu'on va voir au fur et à mesure.
7 maintenant. À 7 000 euros, les plaines de Cléty. À 7 000 euros seulement, nous sommes toujours à gauche, l'enchère. Belle jument, regardez-la. À 7 000. À 7 000 euros, vu. À 7 000 euros, l'enchère est là par vous, Guy. Ouais, c'est un morceau, hein, Nélon. Hein? À 7 000 euros, le marteau. Elle est tellement stressée, la jument, on dirait qu'elle danse des claquettes. Ah, ouais. Non, mais elle n'est pas stressée, mais elle est réveillée là. On la sort de son champ et tout à coup on lui montre la foule. 7500 euros, le marteau se lève, c'est chez vous. Elle est réveillée, il faut que les chevaux ils soient de l'avant. Pas qu'ils dorment. En plus, elle n'a pas couru cette jument, donc elle n'a jamais eu autant de monde de sa vie. Hein. 7500 euros, pas de regret, à gauche l'enchère. Fini. Produit en vainqueur. Rien à pas d'une. Dernière fois. Puis après, elle a été croisée à Cap Garde, Saint-Dessin, à Starabad. Guy, votre enchère. Que des bons étalons, hein, dis-donc. Le numéro 63, Nyangara, jument grise née en 1997 par Baby Turk et Froufroulou, fille de Groom Dancer. Elle est présentée pleine de Diamond Boy. Dernier service le 29 mars. Donc la sœur du lot précédent, fille de Froufroulou, la motrée consignement ici. On appuie sur l'iPhone. Alors une grise. Une grise, pourquoi grise? Parce que, pas parce que Baby Turk son père, pas parce que Gourmand sur son père de mère, pas parce que Nissavray son père de grand-mère, mais parce que Lunadix, la famille de Lunamix. Diamond Boy, on vous le disait, à terre, retrouve la troisième mère. La souche maternelle de Lunamix, une excellente famille, la garde. Et celle-ci est pleine de Diamond Boy. On parlait tout à l'heure, c'est fils de Mansonien, gagnant du prix La Moscova. Prix Scaramouche plutôt. Notre liste sur 3000 mètres. Pour les stayers. Diamond Boy était entraînement chez François Domaine. Elle a également produit un vainqueur, une fille de Saint-Dessin. Et elle aussi a été croisée à des grands étalons. Saint-Dessin, comme je disais, Network, Schwells, et encore une fois Saint-Dessin. Allons-y, 500 quelque part pour continuer. 2000 à 2000 euros, mettez vos enchères. 2000 à 2000 euros, la fille de Baby Turk, pleine de Diamond Boy. Alors vraiment, tout cet élevage de Jean-Pierre Coiffier s'est fondé sur. Alors, pour une partie sur la souche de Lunamix, ce qui est assez étonnant quand on veut faire de l'obstacle, purement l'obstacle, parce que tous les croisements qui ont été faits, enfin tous, il y a Victorinote, ça c'est pas un cheval d'obstacle, mais autrement, Network, Grand Trésor, Saint-Dessin, dans les 20 lots qu'on va voir, là il y a du Forestier, il y a du Cap Garde, du Saint-Dessin, j'ai déjà dit, du Blue Brésil, ça c'est vraiment sur de l'obstacle, de l'obstacle, de l'obstacle, de l'obstacle. 3000, la balle en chair. À 3000 euros, 3. À 3000 euros, c'est vu. Ok, Blue Brésil pourra sans doute produire en plein. Oui, à 3000 euros qu'il prend. L'autre jour, il a sorti son premier gagnant. Bah, Blue Brésil. Ouais, Blue Brésil, c'était un super cheval de plein, de toute façon. On essaie 500. 3000, l'enchère ici à droite, pas d'erreur. 3000, à 3000 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger. La fille de Baby Turk, pleine de Diamond Boy, pas de regret nulle part. À 3000 euros seulement, le marteau se lève, pas de regret. Fini, dernière fois, la balle en chair, et on l'adjuge. Donc voilà, Nyangara, pas Niagara, quel bon groupe de musique, est adjugé à 3000 euros. On va passer désormais à Miss Lauriane, qui est une fille de l'Archange d'Or. Elle a été conçue lorsque l'Archange d'Or faisait la monte au haras de la Rebourcière et du Montaigu. Maintenant, Archange d'Or poursuit sa carrière à Sud-Manchara, à côté de Gris de Gris. Et donc, c'est toujours Jean-Pierre Coiffier, puisque là, c'est le troisième lot de cette réduction d'effectifs. Il y en a 20 au total. La souche maternelle, c'est pas celle de cette fois-ci, Dynamics. On revient sur la souche maternelle de Cléty. La voici, la fille d'Archange d'Or, placée. La famille de l'Auvergnat, de Saint-Palois, de Cléty, de bons chevaux, donc, dans ce pédigré. La mère a gagné à Maison Lafitte. Cette jument, c'est elle-même placée en obstacle. Mistoriane s'est placée l'an dernier. Vous voyez sur cette vue actuellement, on a beaucoup de monde qui se presse autour du ring. Ici à Clairefontaine. 2000 euros qui couvre l'enchère de 2000 euros seulement. À 2000, 2. À 2000 euros, mettez vos enchères. 2000 à 2000. À 2000 euros, oui. À 2000 euros, 2000 euros qui m'appelle, qui couvre l'enchère de 2000, 2. À 2000 euros, voulez-vous 500, 2000. À 2000. Quand je dors, pas de regret. À 2000 euros, mettez vos enchères. André Fabre. À 2000. Gagné le prix Eugène Adam. L'enchère par mois. Là-bas. À 2000 euros qui couvre l'enchère de 2000 euros. De Dievochik,
Divočka plutôt. Vous la laissez partir. La matronne. À 2 000 euros le marteau solaire. De Rochiani également, entre autres. L'enchère par boulette. À 2 500. À droite l'enchère. À 2005. À 2 500 euros. 2005. Par vous mettre l'enchère. Elle n'est pas pleine cette jument. Elle n'est pas vide non plus d'ailleurs. Elle est en B10. C'est une pouliche sortant de l'entraînement. 3 000 en face de vous. Par vous mettre l'enchère. Par vous et contre vous à 3 000. La mère était gagnante à Maison Lafitte. 3 000 euros seulement. Sur 2100 mètres. C'est son premier produit. Puis après en 2011, il y a une Forestier, ça s'appelle Loré. Puis en 2012, un fils de Blue Brésil. Et l'an dernier, un mâle de Cap Garde. La deuxième mère était toute bonne également. Elle comptait 3 victoires en plat et 3 victoires en obstacle. Elle est également placée deuxième de Listed à Anguin dans le challenge de Haie des 4 ans. Et également troisième de Groupe 1, c'est dans le prix Renault du Vivier. Je vais voir à gauche, dernière fois. Donc c'est le deuxième mère de cette Miss Lauriane. Puis sous la quatrième mère, on retrouve Saint-Palois. À 4000 euros. Rien à du prix Jean Stern, du Fleuret et du Duc d'Anjou, entre autres, fils de Saint-Dessin, qui a été élevé dans le sud-ouest. Le numéro 65, Niagara Lamandour. Donc 4000 euros. Né en 2006 par Saint-Dessin et Niangara, fille de Baby Turk. Elle est présentée pleine de cap. Tout à l'heure, Niangara a été acheté 3000 euros. Il pleut actuellement, vive la Normandie. Deuxième du prix Christian de l'Ermite, grand steeplechase des 4 ans à Cannes. Et là, on a une fille de Niangara qui passe ici sur le ring. Une fille grise de Niangara. La voilà. Par Saint-Dessin. Un énorme modèle, un très beau modèle cette Saint-Dessin. Pleine de cap garde. Elle est pleine de cap garde. Exactement. Pour sauter donc. Cap garde qui a donné l'an dernier son premier lauréat de groupe 1. Touche maternelle intéressante. C'était Miller Thomas. Miller Thomas d'ailleurs qui pouvait retrouver son histoire. Hein. Miller Thomas a été élevé au haras du Lieu des Champs chez Richard Poel. Combien donc pour le compte de ses voisins. 5 000 euros. À 5 000 euros, Belgiment. À 5 000 euros, 5 000. 5 000, 3, voulez-vous 3. À 3 000 euros, 3. 3 000 euros qui m'appelle. À 3 000 euros, 3. Oui. Ce sera son deuxième produit cette année. À 3 000. À 3 000 seulement, nous sommes 3 000. Allons-y. 3 000. À 3 000 euros, ça vaut beaucoup mieux. L'an dernier, elle a produit un mal de Blue Brésil. 3 500. 3 500. Et c'est une petite fille de Froufroulou. On en parlait tout à l'heure. 4 000 maintenant. Et Lunadix, on retrouve du coup sous la quatrième mère, puisqu'on saute une génération. 4 500 à droite l'enchère. 4 500. 4 500 euros qui couvrent l'enchère de 4 500. 5 000. Guy, à 5 000 euros. 5 000 euros, oui. À 5 000. Tout à l'heure encore, il y a un bon quart d'heure, on parlait de Kiram, ce fils de New City qui a gagné deux groupes l'an dernier, dont le groupe 2. Critérium de Maison Lafitte. Ben, on le retrouve sous la quatrième mère également, ce Kiram. Parce que c'est la toute proche famille de Linamix, Luna Wells, Cat Junior, Luna Kia, entre autres, King Luna également, King's Best, Elzan, elle était King Luna. 5 500 là, 6 000 à droite. À 6 000 euros, l'enchère est à droite de nouveau par vous, Laetitia. 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000 euros. Vous laissez partir la fille de Saint-Dessin à 6 000 euros seulement, pas de regret, pleine de cap-garde. À 6 000 euros, c'est votre enchère, Laetitia, de nouveau à 6 000. À 6 000 euros, pas de regret, plus là, pas à gauche. À 6 000 euros, le marteau se lève, on peut la juger, pas de regret. Belle jument, je le répète, à 6 000 euros, c'est votre enchère, Laetitia. On est d'accord. 6 000 euros, à droite l'enchère, pas en face, rien à gauche. Dernière fois. À 6 000 pour l'instant. 6 000, Laetitia. Donc on est toujours dans la réduction d'effectifs de Jean-Pierre Coffier. Carnage, Poulain B, né le 7 mars 2013 par Sleeping Car, top fille de Comtebourg. Une Sleeping Car désormais. Jeune yearling qui est né le 7 mars 2013. On l'a deux. D'ailleurs, issu de la dernière génération de Sleeping Car, puisque malheureusement il est mort l'an dernier, Sleeping Car, en février 2013. Alors je ne sais pas s'il a pu saillir. Carnage. Même s'il y a 66, des juments qui ont pris de l'an dernier de Sleeping Car. En tout
tout cas, c'est les toutes derniers foals de Sleeping Car qu'on voit ici sur le ring. La mère compte une place en 5 sorties en obstacle. Son deuxième produit, le premier, c'est un mâle, un hongre désormais, un cap-garde, pardon. Alors, c'est une autre souche que celle de Linamix ou bien encore de Clity, dont on a déjà vu plusieurs lots passés précédemment sur le ring. Alors, sous la troisième mère, on retrouve qu'une seule lauréate Black Type, c'est la très bonne Poltava. Souvenez-vous de Poltava, elle avait été achetée à réclamer par Malcolm Parrish en début d'année de 2 ans. Et par la suite, elle a été gagnante de l'Istad, d'abord dans le prix des Rêves d'Or à Vichy. Puis elle a à nouveau franchi un palier, c'était dans le groupe 3, le prix d'Aumale. Et elle s'était placée en fin de saison de 2 ans, quatrième du prix Marcel Boussac, cette Poltava. Par la suite, elle a été mise par son propriétaire à 4 ans. Et l'an dernier, il y a 2 ans plutôt, maintenant, elle était passée sur le ring, cette Poltava. Le numéro 67, pardon, Miss Salsa Blue. Polish B, le 17 mars 2013 par Blue Brésil et Brave Donner, fille de Baroud Donner. A noter que Blue Brésil est également le père de Acorn, qui a remporté le prix. Acorn, exactement. Alors, c'est pas le chanteur de R&B, le chanteur entre guillemets. Mais non, c'est bien le fils de Blue Brésil qui est le premier produit de Blue Brésil gagnant en compétition. C'était il y a quelques jours à Chantilly. Place en plat, 3 fois victoire. On voit les chevaux à Pau là actuellement. Il y a une course qui s'est disputée sur la PSF. On voit le replay sur Equilia. On voit les écrans également aussi. Alors, pourquoi je vous parle de Blue Brésil? Parce que c'est le père de cette yearling. Et le 17 avril, s'appelle Miss Salsa Blue. Elle est placée en plat, 3 victoires, l'obstacle. La mère Brave d'Honneur a gagné en reprisant l'obstacle. Son troisième produit, les deux premiers produits sont des foals de Cap Garde. Le premier, c'est un 3 ans maintenant. Le deuxième, c'est un 2 ans. Multiple voit placer aussi à 1500, 2000 euros, 2000 enchères. À 2000, Blue Brésil, il avait commencé sa carrière des talons. À 2000 enchères ici, et 2000, vous voulez pas 1500. O'Hara de la Croissonnet. Puis il est reparti en Mayenne, O'Hara du Grand Chesnay. Et puis là, pour cette année, il est à nouveau disponible le O'Hara de la Croissonnet. Blue Brésil, c'est juste Smadoun. Smadoun, le papy des étalons français pratiquement. Monsieur, qui est toujours actif et qui fait la monte au Hara des Sablonnais, Madone, chez Antoine de Talouet 3. Are you sure? Happy? Are you sure? On est 2000 euros, compte vous là, monsieur. Remettez-en si vous. Le Brésil fait un excellent coursier puisqu'il s'était placé de poule de produits dans le prix Ocar, dans le prix Noailles également. Avant de participer au prix Jockey Club, il a également participé au prix de l'Arc de Triomphe. On passe, on a juge. C'est en 2008, c'était l'année de Zarkava et de Vision d'État. Le numéro 68. Et puis il y a 4 ans, Blue Brésil s'est placé le produit là également, puisqu'il s'était placé deuxième du prix Amadou, du Pépin Vaste et du prix Jacques Dindy. Mais là, évidemment, vous l'aurez compris, c'était en obstacle évidemment à Auteuil, qui s'est tout faire Blue Brésil. C'est Loti avec un bon dessous. Colombien-né, fils de Cap Card, dans une famille française, je connaissais très bien. L'automate, encore un. Bonjour. Sammy, 3000, 2000, ça va 1000, voulez-vous. On se retrouve demain, ne vous inquiétez pas, sur Francien, encore une fois. Pour la route des étalons. À 1000, mettez vos enchères, s'il vous plaît, à 1000 euros. À 1000, la droite l'enchère maintenant, à 1000. 1000, nous sommes maintenant, à 1000. À 1000, l'enchère maintenant, Laetitia l'enchère. À 1000, nous sommes maintenant, à 1000 enchères, à 1000 enchères. À 1000, nous sommes à 1000. 1000 euros. La mère est gagnante, c'est la fille de Lotissi, 1000 euros. À 1000, nous sommes maintenant, à 1000. À 1000, toutes les mains d'après. C'est levé 1000 euros seulement, 500, 1500, 1500, 1500, 1500 l'enchère, 2000, 2000 l'enchère, 2000 nous sommes, à 2000 le plus difficile, outil ici à 2000, à 2000 l'enchère contre vous là, à 2000 nous sommes maintenant, à 2000, à 2000 l'enchère Laetitia, c'est contre vous là, contre vous, 2500 voulez-vous, à 2500 voulez-vous Laetitia, 2500, à 2500, un full ingénieur, de Cap Garde.
l'automate donc. Merloton a gagné une reprise, Maison Lafitte. Alors on a déjà eu un fils ou une fille de l'automne, non, tout à l'heure. Oui, on a eu l'Archange d'Or, là, à 4 ans, là, qui sortait de l'entraînement, qui s'est vendu 4000 euros. Donc là, on a le frère de l'Archange d'Or qui a gagné 4000 l'enchère à 4005 fils de Cap Garnier ici 4005 on retrouve encore une fois bien sûr Saint-Palois dans la famille à 5000 euros maintenant à 5000 some gentlemen your bull tag à 5000 l'enchère 500 voulez-vous à 5500 voulez-vous à 5000 I will take it in 500 gentlemen 500 more, 5500 l'enchère. 5500 l'enchère, nous sommes maintenant à 5500. 5500, du Vélesphère. 5500, personne qui ouvre l'enchère ici à gauche. 5500, 5500, très bien né ce boulin. 5500, fini là. Merci pour votre aide. 5500 l'enchère à droite. 5500, donnez fois, donnez chance. On les juge. Gentlemen in the very flashy Castlebridge hat. 5500, thank you, guys. Le numéro 69, Lubati. Alors, qui a un chapeau flashy ? 9 avril 2013. Comme l'a annoncé John O'Kelly. Et Luba, fille de Mansonien. OK. Lubati, dernière génération, encore de Sleeping Bar, Sleeping Car. Joli poulain qui se promène bien. Regardez comme il marche, mesdames et messieurs. Il va faire un très beau 3 ans. Combien vous tournez ici pour le début débat ? 5000, voulez-vous ? 5000, qui a 5000, qui a 5000, 5000 pour le début débat ? 5000, 3000, 2000, qui a 2000, 2000. Regardez comme il marche quand même. 2000, 2000 euros, voulez-vous ? 2000, mettez vos enchères. 2000. Encore un sleeping car désormais. 1000 euros maintenant. Qui est né l'an dernier, le 29 avril. Sleeping Car, le père de Sleeping Jack, bien sûr. Et rendu grâce à sa voix, grand skip à chez eux Paris. Devant Mar Royal. Sleeping Jack, pardon, était monté à cette occasion par Christophe Pieux. Mar Royal. Portait la casaque de la galerie variante. On va juger alors à 1000, 1000. C'est pas cher du tout. 1000 euros. Fini là, 1 000 euros. On est juge. En face, 1 000 euros, merci monsieur. 1 000 euros seulement, l'enchère minimum. Le numéro 70, Garazil, poulain B foncé, né le 4 mars 2013 par Blue Brésil, Niara Lamandour, fille de Saint-Dessin. A noter que Blue Brésil, également le père de Acorn, qui a remporté le prix Artus à Chantilly. On parle de Blue Brésil, puisque c'est le père de Garazil. Garazil qui va entrer sur le ring. Une fille de Saint-Dessin qui marche bien, beau poulain ici. Excellus Cadudal qui a bien croisé. Combien de temps ici pour le début des bas 5000 voulu, qui a 5000, 5000, 3000, 2000, qui a 2000, 2000 quelque part. À 2000 euros. L'agence PRH qui est venue. Pour le début des bas, 2000, 2000, merci. Quelques clichés. 1000, 1000 voulez-vous. 1 million, oui. 1000 euros, 1200, 1500, 1500, 1500. On retrouve encore une fois l'origine de Lindamix, Luna West, 4 Junior. Il y a un groupe 3, ce 4 Junior, puisque c'était à sur les podiums de deux mesdames. Alors peut-être que c'était encore à enseignement à Nadal Sheba qui avait gagné ce groupe 3, le Bourgenaar. 4 Junior, c'est fils de Storm 4, bien sûr, et de Luna Wells, et dans la pourpre. Et qui était à Londres. Passe un dessin, à 2005, 3000, 3000 enchères. Cette année, nous sommes maintenant à 3000. Chiri Abadi au Haras des Fontaines. Le cas du Dalici à 3000. Vous pouvez revoir sur Francir, évidemment. Vous avez failli l'avoir. À 3000, à 2000, à 2000, à 3000, 3000 enchères maintenant à 3000. À 3000, nous sommes maintenant à 3000, 3000, vous voulez pas mettre 500, monsieur. À 3000, 500, voulez-vous. À 3000, yes, try one more. À 3000 enchères maintenant à 3000 ici. À 3000, nous sommes maintenant en face. 500, oui, 35 à 3005. À 3500, 3500, 3500, rentrez-vous là, monsieur. À 3500, 3500, la mère, petite fille de Canudial. À 3500, venez là. À 3500, l'oreille à gauche, là. À 3500, pas de l'oreille nulle part. 4000, 4000, 4000 enchères. À 4000, 4000 enchères. Maintenant 4000 enchères en face ici. À 4000, nous vendons pas d'erreur ici. On avait vu des demi-gants là, sur l'image précédente. On va juger à 4000. On est juge. En face, monsieur, merci beaucoup. 4000. Le numéro 71, Miss Sonate, Poulichalzane, née le 11 février 2013 par Limnos et Nyangara, fille de Baby Turk. Jolie Poulich de Limnos ici, d'une fille de Baby Turk.
Et une nouvelle fille de Nyangara qui passe sur le ring. Fille Alzen, cette fois-ci. Son père, c'était Limnos. Fils de Hector Protector et Lingerie. D'origine, donc, de, vous l'avez reconnu, de la famille Arcos. Limnos avait gagné groupe 2. C'était en fin d'année de ses 3 ans. Il avait gagné Jean Chautenay. Très au Hara en 2000, donc âgé de 6 ans. C'est le père d'Isnos. Lunaos également. On va juger alors. À 1500, dernière fois, dernière chance. C'est sûr, pas de rouler nulle part. À 1500, on va juger. À 1500, on les juge. En face, monsieur, merci beaucoup. Sylvain, votre enchère en face. Le numéro 72, Capistan, Hongre B. Mélanger, né en 2011 par Capgarde et Victoria Dalphy, fille de Comte Dubourg. Poulain profond ici de Capistan. Alors on a fini avec les jeunes yearlings. On va passer désormais aux chevaux plus âgés. Premier produit, lui, la mer, 3 ans actuellement. Il s'appelle Capistan. Capistan, un nom consonant Sagacan plutôt. Qui va venir. Fils de Capgarde. Ah, c'est un gris. Fait quelques faces ici là pour entrer, mais c'est bon. Alors, c'est un 3 ans, vous le verrez, malheureusement, il n'est pas très très grand. Il est hongre. Bon, ça ne change rien. Capistan, n'oubliez pas ce nom, mesdames et messieurs, poulain bien profond, comme il y a peut-on. Sami Velou, qui a Sami, il a 3 ans ce poulain. Et un fils de Capgarde. Sami, mettez vos enchères, Sami, 3000, 2000. Qui est entré. 2000 euros. À 2000, vous pouvez dévider l'enchère là-bas. O'Hara en 2004, Capgarde. Le père de Milord Thomas, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, son premier lauréat de groupe 1, c'était l'an dernier dans le prix Maurice Gillois. À 2000, nous sommes maintenant en 2000, prenons quand même à 2000. Billy, entre autres, également, le père de Capdrine. À 2000, l'enchère maintenant en 2000, mettez vos enchères, 2000 enchères. Regretté Capdrine. À 2000, nous sommes maintenant en 2000, à 2000, à 2000. Par Joël Boilin. À 2000 euros, à 2000, c'est tué malheureusement. La mère est déplacée, elle est seule, 3 vainqueurs, à 2000, à 1000 euros, 1000 euros, excusez-moi. Je disais qu'il manquait un peu de taille, donc non, ça va largement, puisque je le voyais de fini là, l'enchère en face. On a vu Audrey Léval. Tu auras du Boucto. Qui ouvrira également ses portes pour la première fois, puisque le Haras du Bouteau, nouvelle génération, à ses premiers étalons cette année, c'est Steve Vendôme, bien sûr, le Haras de la poule l'an dernier, et également Planteur. Notre Leroy de groupe 1. À 2500, plus vous là aussi. 3000, voulez-vous ? À 2500, oui. 3000, oui. 3000 enchères. À 3000, c'est maintenant. 3000, plus vous là. 3000 enchères là-bas. 5. 3000, il y aura du bouton pour aller suivre ce week-end, bien sûr, pour la route des étalons. C'est Arnaud Poirier, donc, qui ira voir ces deux étalons. Ici, à 3500. Fini là. À 3500. On est juge. Le maire est par contre du jour. Merci, monsieur. Le numéro 73, l'autonome. C'est la même famille. Poulain B. foncé, né le 13 mars 2012. Qu'un lot, tout à l'heure, on en a vu qu'un de cette fille de famille-là, Kayasi. Puisque c'était l'origine de Paul Tava. Le père de Acorn, qui tout à l'heure, on a eu la même Chantilly, famille, le 66, janvier. Qui est parti pour 2000 euros. Petit-fils d'Oti, ici par Blue Brazil. La mère par Kayasi elle-même. Comme nous faisons ici pour le début des bains. Une mère par Kayasi et une grand-mère par Linamix. La mère est gagnante elle-même, 2100 mètres. C'est un 2 ans. 5 fois sur le ring. La mère de Miss Lauriane, une fois placée, 3 sur 13 mars. C'était l'année passée. Donc c'est un fils de Blue Brazil. Il s'appelle l'autonome. La mère est gagnante, l'automne. Ça y est, il va arriver. 2 ans. Le Blue Brazil. Un Brésil. Plus difficile, Lotti.
On débute à 2000, vous débutez pas, 2000, qui a 2000, donnez-moi 2000, vous débutez très bas, 2000, vous voulez 2000, 2000 euros, à 2000 euros, 1000 euros, voulez-vous maintenant 1000 euros, le fils est plus brésil, à 1000 euros, 1000, 1000, mettez vos enchères s'il vous plaît, à 1000 euros, à 1000, 1000, vous débutez pas, le plus difficile de l'autre ici, à 1000 euros, 1000 euros, et la mère est gagnante elle-même, à 1000 euros, 1000, à droite l'enchère, monsieur, oui ou non? Oui, à droite l'enchère, maintenant, bah, Laetitia, oui, 1000 euros, à 1000, 1000, nous sommes maintenant 1000 euros ici, à 1000, 1500, 1500, 1500 enchères, à 2500, 2005, 2500, Laetitia contre vous là. C'est le troisième produit de la mer, l'automne. Assistez un peu là, s'il vous plaît. 2500, l'enchère en face. Hervé, pourquoi vous mettez pas l'enchère? 2500, l'enchère. 2500, 1500, Miss Loriane. Puis on a eu le jeune Yorlin, l'automate. 2500, 2 ans ici. Whole career ahead of him, 1500, c'est bien vu. 2500 contre vous là, Laetitia. L'automate a été vendu 5500. Lui par contre 2500. Le numéro 74, Absinthe, pouliche grise née Absinthe. Le 6 février 2012 par Saint-Dessin et Yangara, fille de Baby. Bien sûr, je vous rappelle que l'absinthe a été interdite en France. Saint-Dessin est également le père de Le Rocher, qui a remporté le Future Champions Final Juvenile. Pas envie d'avoir des groupe 1 le 28 décembre. De contrôle inopiné de placé 3e de la maréchaussée, bien sûr. De Nice, groupe 3, le 5 janvier. Donc on le dit et on le répète, l'absinthe est interdite en France. N'est-ce pas, messieurs, dames? Absinthe, donc, en 2012. C'est Naxos, c'est une femelle grise par Saint-Dessin et Nyangara. Propre sœur de Niagara Lamandour, c'est une victoire qui a été vendue tout à l'heure. Niagara Lamandour, acheté 6000 euros. À 5500, 6500 contre vous là, monsieur. La fille de Saint-Dessin, la propre sœur d'une gagnante. À 5500 l'enchère. 6500, 7000 euros. À 7000 euros, maintenant, 7000. Regardez bien la suche, la croisement de cadeau d'Alice, à 7000. À 7500, voulez-vous 7000? Remettez-en, oui, l'enchère ou pas? Non, fini. Faut pas mettre ça, hein? Non. À 7000 enchères ici, à 7000. C'est fini. Change your mind, madame. À 7500, nous sommes maintenant à 7500. À 7500. On a surplus de mon côté, là. À 7000 francs, 7500, voulez-vous? À 7000 enchères ici, vous avez failli l'avoir. À 7000 enchères, fini là. Merci pour votre aide. À 7000 euros, dernière fois, dernière chance. À 7000. On est juste. En face, monsieur, merci. 8000, nouvelle enchère, sir. Let us know a bit earlier, sir. Otherwise, you will lose it. 8000 enchères maintenant, 8000. On a failli juger. Heureusement que Bernard, le commissaire priseur, avait vu l'enchère d'en face. À 8000, sir, maintenant, 8000, on va juger alors. À 8000 euros, elle marche bien. À 8000, on la juge. En face, 8000 euros. Thank you, gentlemen, 8000. Le numéro 75, Bravard. Pouliche B, née en 2011 par Capgarde et Brave d'honneur, fille de Baroud d'honneur. Premier produit de la mer, Baroud d'honneur. Une Capgarde à nouveau. Pouliche bien faite, qui est 3 ans. Bien, avec qui est née le 3 mars. La mère Brave d'honneur. Laetitia, 3 victoires. Les deux messieurs ici. Voilà. Et merci, messieurs. En attendant, les premiers produits de la mer.
la famille de Phoebus and French Linden. Elle arrive, ouais, mais ce ne sera pas le premier cheval qui va rentrer sur le ring, puisqu'elle est derrière. Elle est en deuxième position, là. En deuxième position, à 50 mètres du but. C'est bon, elle est dedans. L'autre, le 76, va pouvoir ressortir. Vous l'avez sans doute vu, 3 ans. 10 000, qui a 10 000, allez-moi 10 000. 10 000, la fille de Capgarde ici a 10 000, qui a 10 000. D'ailleurs. 5000, 3000 ou 2000, qui a 2000 pour le début de débat, 2000 si voulez-vous, à 2000 euros mettez vos enchères, à 2000, 1000 euros, 1000 pour le début de débat, mettez vos enchères s'il vous plaît, à droite l'enchère à 1000, à 1000 euros maintenant, 1000, 1200, 1500, 1500, 1500 enchères, à 1500, 1500, 1500, on n'entend rien du tout à gauche là, 1500, 1500, 1500, Laetitia c'est grand vous là, à 1500, 1500, 1500, 2000, 2000 enchères, à 2000, pas que 10 enchères maintenant, 2000, à 2000, 2000, 2000, 2000 enchères, 2500, 2500, 2500, plus vous là, à 2500, 2500, 3000, 3000 euros, à 3000, beaucoup de qualité, 3500, 3500 enchères, à 3500, 3500, 3500, geek entre vous là, à 3500, vous voulez même 4? À 3500, je l'ai voulu ici, à 3500. Avec Guillaume Cousin. À 3500, 4000, voulez-vous? À 3500, l'enchère là-bas. Je ne m'en rappelle jamais le prénom, mais c'était Imperial Bloodstock. 4000 enchères. À 4000, plus vous là. À 4500, voulez-vous? Oui, l'enchère ou pas? 4500, 4500, l'enchère. À 4500, 4500. À 4500, she walks awfully well, sir, doesn't she? À 4500, she does walk on. À 4500, think you should try again. À 4500, quand vous là, Laetitia. À 4500, plus vous là, Sammy, Sammy, Sammy. Minus, à 5000 euros maintenant, 5000 plus voilà monsieur, à 5000, 5000 l'enchère maintenant, 5000 jolies bouliches, 5500. Contre vous, against you, à 5500, I hope she runs fast in the world bidding, à 5500, contre vous là, you're out gentlemen, à 5500, nous sommes maintenant, à 5000 voulez-vous, à 5500, against you gentlemen, hammers up, le marteau se lève, à 5500, come on gentlemen, à 5500 l'enchère maintenant, you miss your flight, à 5500 l'enchère maintenant, à 5500, l'enchère c'est ici, 6000 enchères, 6000 nous sommes, à 6000 enchères maintenant, 7000, 7000 enchères, 7000 enchères encore, à 7000, come on you want the last one, à 7000 l'enchère maintenant, à 7000, à 7000 nous sommes, à 7000 filez là, à 7500 voulez-vous, let you wait for 500 gentlemen if you want that, 7000 enchères, merci encore les 7000, votre enchère là, plus haut à droite à 7000 euros, dernière fois, dernière chance, à 7000 euros maintenant, à la juge, merci maître, en face 7000 euros. Tiens, 7000 euros, donc pour cette 3 ans. Le numéro 76, Lauré, Pouliche B, né en 2011 par Forestier, et l'automne, fille de Kayassi. Bien équilibré, hardy looking. Petite fille de Nikos, une fille de Kayasi, l'arrière-grand-mère, la grand-mère Lottie. Good square model here, bien équilibré. La forestière. Combien peut-on ici pour le début de débat, 5000, vous voulez qu'il y a 5000, 5000, 3000, 2000, donnez-moi 2000, 2000 quelque part. À 2000 euros, mettez vos enchères. Une forestier désormais. Ce fils de Nikos, ce petit fils de Nono Alco. À 3000, à 3000, ça maintenant, à 3000, 3000, 3000, Laetitia. À 3000 euros maintenant, à 3000, Laetitia. 500, voulez-vous? À 3000, voulez-vous pas mettre 500? À 3000 euros? 500, oui, 3500. À 3000, 5, 4000, 4000, 4000, 4000 euros. À l'automne, 4000, 4000, 4000, 4000. Alors, on va voir ce que les autres produits de l'automne ont fait. Tout à l'heure, il y a le 2 ans qui est passé, le fils de l'automne, le Blue Brésil a jugé 2500 euros. Puis on a eu, je tourne en même temps les pages du catalogue. On a eu également le jeune Yearling par Capgarde qui s'est vendu 5500. Et encore, peut-être encore un cheval. Voilà, la Archange d'or tout à l'heure, 4000 euros également. 4500 euros. Et là, on a 3 ans. Merci de votre aide à 5000. Le meilleur produit, le produit le plus cher pardon, de l'automne, c'était 5500. On a jugé cette fois-ci à 5000. On va dépasser. On la juge. Ah, en face, messieurs, 5000. Merci beaucoup. Le numéro 77, Sir Ball. Alors on va bientôt arriver à la fin de cette vente. On ira jusqu'au 130. Alors on ira jusqu'au 134, mais le 134, les derniers numéros, c'est des soumissions cachetées pour des ventes de part des talents de Panis, entre autres. Croisement de Blue Ship. Il y a 1, 2, 3, 4, 5
5 parts de panis qui seront vendues. Se déplace bien, le fils de Capcard, 10 000 euros. Il ira jusqu'au lot, 5 000, 2 000, 4 000. Il sera présenté par Roland Duplay, Annie Baudouin de la mode Saint-Pierre, on va entendre parler encore tout à l'heure. Évidemment, ce sera la famille de Le Tranquille. 1 Capcard, encore une fois. Un 3 ans. À 2500 là-bas, à 2500, 3000, 3000 euros, à 3000 enchères, 4000, 5000, 5000, ça maintenant 6000 enchères, à 6000, 7000, 7000 euros maintenant, à 7000 enchères, à 7000, 7000 euros, tu boubou là, ici à 7000, vraiment boubou là, ici à 7000, à 7000, 7000 enchères, boubou là, qui a du sang. Maintenant, oui, arrondissez, à 8000 enchères, 9 voulez-vous, à 8000 enchères maintenant, oui, contre vous là, monsieur, à 8000 euros, 8000, 9000, ah, est-ce qu'on a. Non, on l'a vu tout petit à droite de l'écran. Qui refusait d'enchérir encore plus sur ce cheval. 10 000, bravo, tant mieux. 10 000 enchères maintenant, 10 000. À 10 000 plus si j'avais. C'est le retour de Guy Petit. Merci pour votre aide, quand même. 10 000. À 10 000 enchères ici à gauche, 10 000. Elle marche bien, elle se déplace très très bien. 10 000. Poulain énergique en tout cas. À 10 000 euros, les propres soeurs des gagnantes aussi. À 10 000, nous sommes maintenant à 10 000 à gauche. À 10 000, nous sommes. Tenez le tour d'horizon ici à 10 000, c'est bien vu. À 10 000, nous sommes maintenant à 10 000 à gauche enchères. À 10 000, on va juger alors. À 10 000 euros, fini là. C'est sûr, madame, à 10 000. On le juge. À gauche en chair, monsieur Petit. Timiron. Oui, qui Petit, merci beaucoup. Le numéro 78, Princesse de Lille, jument à l'entraînement B, né en 2009 par Vic Toto et Apolieta, fille de The Wonder. A noter qu'elle compte une place supplémentaire en stiple. On change de famille désormais. Elle va ranger le 8 décembre et totalise 32 220 euros de gains. Jument très utile sur la haie et en stiple. Sortant de l'entraînement, qui peut toujours être entraîné par la suite, bien sûr. Puisqu'elle est née en 2009, c'est Princesse des Lilles, une fille de Vic Toto. Et Apolieta, cette fille de The Wonder. Elle est gagnante, cette Princesse des Lilles, à deux reprises, en obstacle. Deux fois à 4 ans, une fois à Angers, une autre fois à Saint-Brieuc. 4 000, 5 000 enchères maintenant ici. 5 000, 6 000 enchères. 6 000, 7 000 euros. 7 000, 8 000 enchères. 8 000 arrondissez, s'il vous plaît. Vu la jeunesse. 8 000. À l'écran. 8 000 enchères, je vous entends plus là, Laetitia. Et c'est la famille de Princesse d'Anjou sous la deuxième mère. Mais c'est tout simplement une cousine de Princesse d'Anjou. Grande gagnante du Grand Steeple Chase de Paris à deux reprises, du prix Laëlle Jousselin entre autres également. Qui prend le relais ici à 8 000? Pour ne citer que les groupes 1. Oui, mais bon, on est en chambre. Plus élégante. Cette Princesse des Lilles. 8 000 euros, c'est pas cher du tout. Ah oui, mais nous sommes voulus 2500, monsieur. Vic Toto et The Wonder pour le croisement des pères, parce que Vic Toto c'est son père, c'est Princesse des Lilles. Et The Wonder, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une pouliche qui sera tout simplement très facile à croiser. Que ce soit avec du Saint-Dessin, du Capcard, du Martaline. Le numéro 79, Miss confirmé en obstacle. Jument à l'entraînement B, né en 2009 étalons, par Saint-Dessin par et Luba, fille de Monsonneau. Enfin bref, je m'arrêtais là. Jument ici qui tourne. 8 000 euros, c'est ça. Action fluide, comme disait l'éleveur. Miss Saint-Clé. Elle saute bien et forte. Miss Saintly, encore une pouliche sortant de l'entraînement. Combien faut-on ici pour le débuter? Fille de Saint-Dessin. Qui a 6 000, 6 000, 3 000, 2 000, 1 000 euros. 1 000 euros, mettez vos enchères. 1 000, qui a 1 000, 1 000 euros pour le débuter. 1 000 pour le pouliche. Mère Loupa est une fille de Monsonien. Saute très très bien. 1 000 euros, voulez-vous maintenant 1 000? 1 000, oui, enchère en face à 1 000 euros. 1 000, nous sommes maintenant à 1 000 euros. 1 000, une seule enchère. Elle n'est pas gagnante. 1 000, 1 000. Elle s'est placée à 3 reprises. Ici à 1 000 euros. 1 000, 1 000 mètres. L'an dernier à 4 ans. Saint-Malo à Jarnac. 1 000 enchères maintenant, 1 000. À 1 000 qui prendront. Mort de Bretagne plutôt. À 1 000 enchères maintenant, c'est bien vu. À 1 000 euros, l'enchère en face, une seule.
J'ai eu la chance d'aller à Jarnac. C'était mi-septembre dernier. Très bel hippodrome d'ailleurs. Salut tous les éleveurs du côté de Cognac. S'il vous plaît, à 2 millions. Et on retrouve encore une fois la famille de Linalix. Ce sera le même cas tout à l'heure pour le 80, le 81 également. À 2 000 euros, en fait, on va juger en face à 2 000 euros. L'enchère ici à 2 000. On le juge. En face, messieurs, 2 000. Bon, bah, 2 000 euros. Numéro 80, Miss Cap, jument à l'entraînement Alzane, née en 2008 par Capgarde et Luba, fille de Mansonien. Nous avons un certificat vétérinaire de la clinique équine de la Madeleine, daté du 27 janvier, qui nous annonce que, certifiant que Miss Cap a été tondue pour faciliter le traitement de la gale de boue dont elle souffrait. Oui, multiple voix placée en obstacle. Très bonne sauteuse, joli modèle, valeur de 50 kilos. Une fille de Mansonien. Donc, d'une petite fille, Tipmos. Elle a 6 ans. Combien faut-on ici? 10 000, voulez-vous? Qui a 10 000? Donnez-moi 10 000. 5 000. 1 000 euros. 1 000, mettez-vous en enchère. 1 000 euros. 1 000 pour le DVD. Oui, j'ai eu. 1 500. 1 500. 1 500 l'enchère à droite. À 2 500 l'enchère. 1 500 pour débuter pas. 2 000, voulez-vous? 2 000 l'enchère. À 2 000, mon enchère maintenant. À 2 000. À 2 000 l'enchère maintenant. 2 000. 3 000. 3 000 euros maintenant. 3 000. 3 000, comptez-vous là, Laetitia. À 3 000 euros maintenant. 3 000, faites-vous là aussi. 3 500. 3 500 l'enchère. 4 000, voulez-vous? 3 500. 4 000, voulez-vous, monsieur? À 3 500. 3 500. 3 500. N'arrêtez pas, s'il vous plaît. À 3 500. Vous avez mis qu'une seule là, monsieur, quand même. À 3 500. Remettez-en une. À 3 500. 3 500, vous voulez mettre 4 000 à 3 500 l'enchère à droite à 3 500, fini là, merci pour votre aide à 3 500, non c'est sûr, à 3 500 multiple fois placé elle a que 6 ans, elle est très bien née, une petite fille type Moss ici à 3 500, 4 000 voulez-vous c'est mieux que ça sorte, non c'est sûr, Miss Cap, Cap Garde évidemment, vous l'aurez compris, à 3 500 l'enchère ici en face, pas de l'éleveur Jean-Pierre Coffier à 3 500, on va juger à 3 500, Cap Garde entre autres, Blue Brésil aussi. On est juge en face, 3 500. Le numéro 81, Sir Note, Hongre à l'entraînement B, né en 2010 par Victory Note et Nyangara, fille de Baby Turn. Un Hongre désormais, de 4 ans, âgé de 4 ans, ce Hongre, il s'appelle Sir Note, c'est Victory Note. Il a fait une course en plat. Et Nyangara également, encore une fois, cette Nyangara, on la retrouve, cette fille de Baby Turk. C'est sa course à 3 ans. Ce petit-fils de Froufroulou. On va la connaître par cœur maintenant, cette famille. Baby Turk, la grand-mère par Groom Dancer. Et vous avez vu qu'on a sorti les gros moyens pour filmer cette journée de vente ici à Auxerrus, cette journée historique. Parce qu'on vous rappelle que c'est la première édition de cette vente de Clairefontaine, organisée à Clairefontaine, ici dans le hall de l'hippodrome de Clairefontaine. Seulement 2000. À 2000, 2000, une seule sortie à 3 ans. Vente mixte, bien sûr. Assez tardif, 3 on est fin janvier. À 3000, on est maintenant à 3000, 4000, 4000, 4000. Ce Cyanote. Elle compte une sortie et une place de troisième. C'était en haie à Dieppe. C'était l'an dernier quand il avait 3 ans, bien sûr. Samy, 8500, voulez-vous? Ah oui, l'enchère ici, merci à votre aide. Ah oui, nous sommes maintenant, oui, l'enchère toujours en face. Ah oui, nous sommes maintenant, ah oui. 4 caméras pour savoir, pour surveiller les venues, les acheteurs, les vendeurs. À 8 000 euros seulement. Les chevaux, bien sûr. Alors, 8 500, si on vend les chevaux, évidemment. À 8 000 sommes, à 8 000 dernières fois, dernière chance. Merci à votre aide, à 8 000 euros. Pas de regret, non, à 8 000. 5, 8 000, 5, 9 000. You'll be late for your own funeral, you know. And not be your woman. I'm happy to see you there. And not be your woman. No, and not be. And not be 500, voulez-vous? 500, voulez-vous? Alors, c'est des investisseurs anglais, là, qui attendent jusqu'à la dernière minute pour mettre les enchères. And not be 5, not be 500, comment ça? And not be 500, pour l'instant, ils ont l'enchère. And not be 500, l'enchère en face. And not be 500. Oui, derrière, l'enchère.
Non? Alors, 1500 l'enchère ici, plus voilà, 10 000. 10 000 l'enchère maintenant, 10 000. Ah, 10 000, merci, votre aide, 10 000. Oui, 10 000 l'enchère. Ah, je comprends très bien, monsieur. Ah, 10 000 euros maintenant, 10 000 l'enchère ici, 10 500 si vous voulez. Ah, 10 000 l'enchère maintenant, 10 000. Ah, 10 000 l'enchère maintenant, 10 000. Ah, 10 000, it's his horse, he's entitled to do what he wants here. Ah, 10 500, 10 500, 10 500 l'enchère. Ah, 10 500, 10 000 euros. Sir Note. Vous voyez qu'il dresse les oreilles. En fait, il regarde l'écran géant qui est tout au fond du. L'écran géant qui est tout au fond de ce hall. If it's any help, it's not quite 10 in your money. Qui stream en direct les courses. Là, en ce moment, c'est un chantier. 11 000 euros maintenant, 500 voulez-vous? 11 500 if you'd like to try. 11 500, 11 500, 11 500. 12 000 euros maintenant. Le numéro c'est le... 82, alors c'est pas le top price de la vente, mais c'est le top price de... Né en 2007, de Jean-Pierre Coffier et Astrée, en tant que vendeur. Fille de garde royale. Elle est présentée pleine de Diamond Boy, dernier service le 9 avril. A noter que son frère Astrakhan prend deux places supplémentaires. Il s'est placé troisième du Desert de la vente pour réduction d'effectifs de Jean-Pierre Coiffier, le 82. Tout à l'heure, on aura des chevaux à Memorial Handicap Chase le 14 décembre à Cheltenham. Il totalise 97 444 livres de gains. On va passer les chevaux à l'entraînement. Donc, on va passer à cet astre de nuit. On est France, gagnant de 16 fois, 16 victoires, 16 victoires. Astro de nuit, quel beau nom pour cette fille de Charming Groom et d'Astreeria. 10 000, 5 000, 2 000, donnez-moi 2 000, 2 000 quelque part, mettez vos enchères à 2 000. De garde royale, excellent père de mer. 2 500, 2 500, 3 000. Il n'a pas pu gagner cet astre de nuit. 3 500 contre vous là, monsieur. Elle s'est placée à 4 ans, en plat, c'était à Machecoul. Et pleine pour la première fois. Dernier service du 9 avril et pleine de Diamond Boy. C'est une sœur de Astrakhan, c'est le cas de Dal. Deuxième de groupe 2, deux reprises. Et également deuxième de groupe 3. C'était l'an dernier d'ailleurs, en 2013, qui s'était passé à deuxième de groupe 2, sur Astrakhan. Donc c'est le fils de Cadodal. Moi, Olivier Pellier, Émilie Lafeu, sa compagne, Lafeu Pellier plutôt. Alors je ne sais pas s'ils ont déjà acheté ou pas cette après-midi. Ici à 10 000 à droite, rien à droite ici. Vous avez déjà acheté plusieurs chevaux en novembre dernier. Lors de la vente aux Arus au Lyon d'Angers. 10 500, 11 000, 10 500 l'enchère, monsieur, 10 500, donnez-le voir, donnez chance, pas de rien nulle part, 10 500, bravo monsieur, Guy, votre enchère 10 500, bravo monsieur. Les numéros 83 et 84 sont absents. Nous passons au numéro 85 qui est présenté par Joël Boinard, Val de Serre, Hongre Béfoncé, né en 2011, par Le Havre et Capitelli, fille de Cape Cross. Ah, un fils de Le Havre qui nous est présenté par Joël Boinard. Donc, comme je vous disais, un cheval sortant de l'entraînement. Toujours d'ailleurs. Le 3 ans de Le Havre ici, Mère Cape Cross. C'est un 3 ans issu de la première génération de, c'est de Le Havre. La mère ici, très bonne famille. Juste les acheteurs à côté de moi qui sont en train de le signer. Combien de butons ici? Le fils de Le Havre, combien de butons? 5 000 qui débutent 5, les enchères. Essayez de voir le nombre discret. 5 000 qui débutent 5, 5, 4 000 euros, 3, 3, prenez vite. Très beau poulain, 3 000 euros, qui débute 1 000 euros, enchère minimum 1 000 euros. Ah, 1 000 euros qui prend les enchères, un poulain qui se déplace, marche 1 000 euros. Fils de Le Havre, 1 000 euros, Laetitia, merci, 1 000 euros maintenant, il est. Ah, 1 000 euros qui débute 1 000 euros, enchère minimum 1 000 euros. Donc pour Val de Serre. 3 ans, 1 000 euros. Ah, 1 000 euros qui prend les enchères de 3 000 euros, mère Cape Cross. Il n'est pas encore couru. Ah, 1 000 euros, très beau poulain, chic poulain qui marche de l'os, 1 000 euros. Ah, 1 000 euros, une seule enchère. La mère s'est placée.
des Cape Cross. Si vous voulez 500 maintenant. À 1000 euros. À son premier produit. À gauche, à 1000 puis après, elle a eu un. Une enchère de 1000 euros, 500 pour la prendre. À 1000 euros, bien vu, 500. Une fille d'American Post. Et en 2012, bien sûr. En 2013, elle a eu un mâle de Linda Zlat. 3 ans bien, tout frais. À 1000 euros, 1500, 2000 si vous voulez. À 1500 euros pour vous, Laetitia, bien vu. À 1500 enchères. 1500 euros, c'est bien vu. Pas de regret dans la salle. 2000, bien sûr, pour vous, Boudou, Laetitia, 2000 euros. À 2000 euros, 1500, allez-y, 500 pour le prendre. À 2000 euros, à 2000 euros, 500, si vous voulez, 500 tout de même. Le premier de la mer ici, beau poulain de Le Havre, qui fait des gagnants. Allez-y, à 1000, 2500, 2000 euros. Laetitia, essayez 500 encore. À 2000 euros, à 2000 euros maintenant, 500 pour le prendre. À 2000 euros, allez-y, le père de la hoguette, 2500 maintenant. À 2500, chic poulain, 2500 euros. À 2000, 3000, bien vu. À 3000 euros, nier. À 3000 euros, 500, si vous voulez, 3500, j'ai 3000 euros. Antoine Groffier, qui a repris le micro. À votre enchère, à 3000 euros maintenant. À 3000 euros, si vous voulez. Auctionneur de Zarus, bien sûr. En face, à 3000 euros. Travail pour vous, Laetitia, c'est bien vu. Pour son compte, bien sûr. AGB Boostock. À 3000 euros, 3 ans. À 3000 euros, bien vu. À 3000 euros, pas l'oreille. Le marteau va se lever. Dernier appel, dernière chance. 3500. À 3500 maintenant, d'ici les 4, si vous voulez, 4000. Tout de même, 4000. À 4000 euros. Alors, c'est Joël Boinard qui est à côté du ring. Même 4000, si vous voulez, 4000. C'est évidemment qu'il soutient son son cheval. 4500 maintenant. À 4500, j'ai maintenant 4500. 5000. 4000, pardon, 4000, autant pour moi, 4000. À 4000 euros. À 4000 euros, c'est bien vu, 4000 euros maintenant. L'enchère est là pour vous, Laetitia. À 4000 euros, le marteau va se lever cette fois-ci. À 4000 euros pour le poulain de Le Havre. À 4000 euros, c'est bien vu, dernière chance. À 4000 euros. On a le juge, 4000 euros, Laetitia, merci. Le numéro 86 est absent. Nous passons au numéro 87, présenté par Yann Barbereau, appartenant à Roland Bordain. Yosha, jument à l'entraînement Alzane, née en 2008 par peintre célèbre et double platinum, fille de Seeking the Gold. A noter qu'elle compte deux places supplémentaires. Elle s'est placée quatrième du prix Ange de Mer à Pornichet le 20 décembre et deuxième du prix de la Briqueterie à Deauville le 13 janvier. Elle totalise 79 720 euros de gains. Cette jument est vendue sans TVA. Une vraie pouliche de course ici, peintre célèbre. Joël Boinard, donc, qui a racheté ce Val de Serre pour 4000 euros. Yosha, ici. On l'a vu signer le bon grâce à Lily Alopé. 6 victoires. Combien de buts plus de... Yosha, désormais, solo 87, puisque 86 est... Oui, et bien, bel et bien, pardon, absent. 10 000 euros, 10 000 euros, 5 000. Formidablement bien née, cette Yosha. À 5000 euros. Une fille de peintre célèbre, la mère est par Seeking the Gold, la grand-mère est par Northern Dancer. À 1000 euros, j'ai 1000 euros. Et l'arrière-grand-mère par Buck Passer. À 1000 euros. À 1000 euros, tu m'appelles 1000 euros, 1000 euros, j'ai 1000 euros, 1500, 2000 euros maintenant. Le père de mère de Seeking the Gold, donc un inbreeding assez poussé sur. Enfin, 3 sur 3 sur Buck Passer. À 3000 euros. À 3000 euros, jument gagnante. 5000, 4000 euros. 4 sur 4 plutôt. 3005. Sur Buck Passer et 3 sur 3 sur Northern Dancer. 5000 maintenant. À 5000 euros. À 5000 euros, si jument votre enchère. Non, 5000, c'est à moi. Qu'est-ce qu'on fait en achète là? À 6 maintenant, bien vu. 6000 euros, tu m'en sur 6000 euros gagnant de 5 ans, 6000 euros. Ah, c'est un petit kill. Peintre célèbre. Elle est gagnante à 4 ans, à 3 ans et à 2 ans aussi. À 7000 euros. À 7000 euros, Goudignon, faut 7000 euros. Une belle tête en plus. À 7000 euros, c'est bien vu. La fille, le peintre célèbre. À 7000 euros tout de même. Ah, regardez le pédigré. À 7000 euros, c'est bien vu. Bon, après, sous la première mère, elle est gagnante, certes, la première mère. Elle a produit 3 gagnants. À 8000 euros maintenant. Donc, Personal Odyssey, elle-même, mère de Kitten on the Run. À 8000 euros pour vous, l'enchère. Le Red Listed l'an dernier. À 8000 euros, la fille, le peintre célèbre, plus de ses victoires. À 8000 euros, c'est bien vu. À 8000 euros. À 8000 euros gagnant à 2 ans. À 8000 euros seulement, pas de regret. Très bon pédigré, une gagnante. À 8000 euros, on parle bien de la même chose. Famille de Kitten on the Run, 9500. À 8500. À 8500. Elle est présentée par Yann Barbereau, un entraîneur d'Aubillet, pour le compte de Roland Bordain. Si vous voulez 9500, si vous voulez Guy, allez-y. À 9000 euros, bien vu Sylvain. À 9000 euros, 500 pour la prendre. À 9000 euros, c'est bien vu l'enchère, pas de vrai Sylvain pour vous. À 9000 euros, le marteau va se lever une dernière fois. Une dernière chance, ni à droite, ni en face. Guy, je vous entends plus. J'ai 9000 euros. À 9000 euros, essayez 500 si vous le voulez.
à 9000 euros, le marteau va se lever. À 9000 euros, la fille de peintre célèbre, gagnante à 2 ans, jusqu'à 5 ans, plus 6 victoires. À 9000 euros, c'est bien vu, dernière fois, dernière chance. À 9000 euros, Sylvain, votre enchère. À 9000 euros. On l'a dû. On voit, on se réfugie sous les tentes et on avait vu la tente du Broc Café. Le numéro 88 est présenté par Jean-François Doucet, qui est l'un des sponsors de la vente de cette vente ici à Clairefontaine. Le Broc Café, évidemment, c'est à Deauville, c'est à deux pas d'ici. Effet de star, fille de grand trésor. A noter que Voilà de Nuo compte une victoire et deux places supplémentaires. Il a remporté le prix Louis Salna-Vapo le 28 décembre et s'est placé deuxième du prix Roger de Terve à Angers le 8 décembre. Il totalise 191 000 euros de gains. Nous avons un certificat d'aptitude à la reproduction pour cette jument et elle est vendue sans TVA. Voilà, une tente de Voilà de Nuo, un superbe AQPS. Une jument qui a 5 victoires. Qui est chez Guy Degnau, évidemment. Super cheval. Voilà de Nuo, super cheval. Gagnant de groupe 3, c'était le prix de Pépin Vaste, ce fils de Network qui est encore entier. D'ailleurs, Voilà de Nuo. La fille de Calquivis, il aurait pu directement être étalon cette année. Guy de Nuo l'a conservé à l'entraînement et bien lui en est appris puisqu'il a gagné fin décembre, comme annoncé tout à l'heure. Il a gagné fin décembre, ce Voilà de Nuo, une course à peau. Pour aller vite, 8000 euros alors la fille de Kankévi. Ah, 8000 euros, petite fille de Kayajif, grand trésor derrière, un vrai pédigré. Vraisemblablement être redirigé vers Auteuil, vers la Butte Mortemart cette année pour courir les courses de groupe. Ce Voilà de Nuo. Qui m'appelle 5000 euros. Ah, 5000 euros, allez-y, 3. Et la pouliche là qu'on voit actuellement. Ah, 1000 euros qui m'appelle. Elle est présentée par Jean-François Doucet, lui-même, himself. Ah, 1000 euros maintenant, 1000 euros. Unique Star, c'est une AQPS. AQPS, 1000 euros. Fille de Kankévi. Qui fait la monte au Haras de Trébans. À 2000 euros pour vous, Sylvain, bien vu. À 2000 euros, 3000 maintenant. À 3000 euros pour vous. Alors elle est gagnante à 5 reprises quand même. C'est une bonne jument. À 3000, voilà des nuits, 3000 euros. Alors sa dernière course, c'était le 6 septembre. Oui, voilà, bah oui, j'avais bien compté jusqu'à 9 septembre. Fille de Kayazi, juillet, août, derrière, septembre, voilà. Elle était troisième. Auparavant, elle était deuxième, première, deuxième, neuvième, première, quatrième. En 2012, elle était septième, 5, 3, 5, 1. À 3500, essayez 4000. Je m'en régule, plutôt régulière, oui. 3500 avec Guy. À 3500 euros seulement. À 3500 euros pour 4000, si vous voulez vraiment 4000. Elle est gagnante à 5 reprises. Chic pédigré AQPS. Et c'est une sorte de Tony Star, une autre AQPS. Pour la prendre. À 3500 euros votre gagnante en plat. Gagnant plutôt en plat. Et double gagnant d'obstacles, dont l'an dernier en Angleterre. À 3500 et deuxième de groupe 3 également. À 4000 et troisième de groupe 3. Bien sûr, 4000. À 4000 euros. Belle jument, en tout cas, elle a de la taille, cette Unique Star. 4000 euros. Un vrai pédigré, c'est très recherché. À 4000 euros. À 4000 euros seulement, pas d'erreur, pas de rue, la fille de Calquévi. À 4000 euros, dernière fois, dernière chance pour vous, Sylvain, en face. À 4000 euros, le marteau se lève, pas de regret. À 4000 euros, dernière fois, dernière chance. À 4000 euros pour vous, l'enchère en face. À 4000 euros, bien vu. À 4000 euros, dernière fois. À 4000 euros, le marteau peut se lever. À 4000 euros, on la juge. 4000 euros. Doucement, doucement, doucement. Doucement avec le marteau. Le numéro 89 est présenté par l'entraînement FX de Chevigny, Ericina. Pouliche à l'entraînement B, née en 2011, par Desert Style et UBA, fille de Annaba. Cette pouliche est vendue sans TVA. La fille de Desert Style ici, la mère Annaba. Mère Black Type ici, très beau pédigré, la mère gagnante 2 victoires. Gagnante listed, famille d'Erinis, Ephaos, Urinom. La fille de Joseph Sile ici, mère Annaba, combien débutons? Allez-y, 5000 qui prend l'enchère de 5000 euros, 5 pour débuter, 5000 euros, 3 qui débute 3 si vous voulez. À 3000 euros, la fille de Joseph Sile, mère Annaba, 3000 euros, 1000 euros, cher Mini. 1000 euros maintenant, 1000 euros, 1000 euros. Exactement. À 1000 euros qui débute 1000. Ça s'appelle Ericina. À 1000 euros qui débute 1000. Chic pouliche, regardez-la bien, 1000 euros. Bien avec fait. Avec mère par Annaba.
bien sûr, il est aussi à une enchère, 1000 euros maintenant. Grand-mère par Suromu. À 1000 euros, Guigui 2, si vous voulez. Allemand, bien sûr. À 1000 euros, l'enchère pour la fille de Desertstyle. La mère s'est déplacée de Listed. 2000 maintenant, 2000 euros. Troisième du prix d'Elic, une Listed qui n'existe plus maintenant. 1500 euros. Quatrième du prix d'Angerville. À 1500 euros. Et là, entre autres, et le prix de la cochère. À 1500, on parle bien la même chose. 1500, mère, Black Tie. On n'a pas couru encore cette Ericina. À 2000 euros, Sylvain. Gagé de 3 ans. 2000 euros l'enchère, et pour vous, Sylvain, à ma gauche, 2000 euros maintenant. Allez-y, Laetitia, 500 si vous voulez. À 2000 euros, c'est là. À 2000 euros, Desertstyle. À 2000 euros, mère, Anaba. 2000 euros, sur le mur derrière. À 2000 euros, c'est bien vu. Là, on trouve Epaphos. Votre enchère. Sous la 3e mère, ce fils d'Akatenango. Gagnant du prix Hubert de Chaudenay, un groupe 2. Il y en a bien tout de même une dernière fois, une dernière chance. À 2000 euros, Epaphos, ce serait bien un nom de Leonidas Marinopoulos. À 2000 euros, dernière fois, dernière chance pour cette belle pouliche. Mère Black Tie, à 2000 euros, pas de regain nulle part dans la salle. C'est un nouvel étalon. D'ailleurs, cette année, Leonidas Marinopoulos, c'est Yalizos. 3000 pour la prendre, si vous voulez. À 2500, Sylvain, tout de même, mettez les 500. Qui était présenté l'autre jour au salon des étalons du Lyon d'Angers, Yalizos. À 2500, 3000 G, merci. À 3000 euros maintenant pour vous. Vous pouvez retrouver tous les détails en tapant tout simplement le nom de Yalizos. À 3000 euros. Donc sur Francir, c'est IALYSOS. À 3000 euros. On a dû, Sylvain, 3000, merci. Le numéro 90, c'est un supplément. C'est la feuille jaune. Sarine de Lorme, présentée par le Hara de Lorme, appartenant à Gérard Bouffanet. C'est une pouliche B née en 2011 par Ken d'Argent et Comtesse de Lorme, fille de Polythène. Elle est vendue sans TVA. Alors, un supplément, une wildcard. Devant vous, elle n'a pas débuté. Un supplément plutôt. Ken d'Argent. Cette vente, c'est le numéro 90 par Ken d'Argent. Le père, entre autres, Ken Hope, pour l'histoire d'argent. Ken d'Argent qui n'avait pas gagné un seul groupe. Mais belle famille derrière. Ça avait avancé, Ken d'Argent, ce fils de Kendor. C'était placé deuxième du prix Paul de Moussac derrière Kentucky Dynamite et quatrième du prix Jean Pratt derrière Stormy River, Ken d'Argent. 5000 euros, trop, oui, 5000, 3. Il a été mis au Hara. 3000 euros, 10 2, si vous voulez, 2000 euros. Au Hara de Colville, où il a commencé sa carrière d'étalon. Il a explosé, littéralement. À 1000 euros, qui prend l'enchère de 1000 enchères minimum, 1000 euros. À 1000 euros, qui m'appelle 1000 euros. À 1000 euros, la fille du très recherché Ken d'Argent. À 1000 euros. À 1000 euros, qui prend l'enchère minimum de 1000 G. Laetitia, 1000 euros, merci, 1000 euros. À 1000 euros, maintenant 500, si vous voulez, 500. À 1000 euros, 500, pour la prendre 500, si vous voulez, 500. Et nommé Sarine Delorme. 1000 euros, tout rongé, maintenant 1000 euros avec Laetitia. Allez-y, Guy, 500 pour la prendre. À 1000 euros tout de même. À 1000 euros, 500. À 500. Sylvain, je ne vous entends pas. À 1000 euros seulement, pour la fille de Ken d'Argent. À 1000 euros. À 1000 euros, cher minimum, pas de regret nulle part. À 1000 euros, pas d'erreur. C'est la sœur de Cash Delorme. Double gagnant, c'est de Sky Chief. 1000 euros, la mère a déjà produit gagnant. 1000 euros. À 1000 euros, dernière fois. Dernier appel, dernière chance. Retrouver du Black Type, il faut retomber sur la 5e mère. À 1000 euros. Astola. Authentique championne, une seule enchère pour la fille de Ken d'Argent. Gagnante du prix Vermeil, un groupe 1. C'était une sœur de Marsal, double gagnant groupe 1 et le Robert Papin et le prix de la forêt. Le numéro 91 est présenté par le Hara de Sous, Palme Sous, jument B née en 2010 par Maresca Sorrento et Gaël Palme, fille de Great Palm. Nous avons un certificat vétérinaire de la clinique Capvet datant du 27 janvier. Certifiant que la jument a reçu un traitement antibiotique pour une plaie du tiers supérieur de la face dorsale du canon du postérieur gauche, cicatrisée à ce jour. Qui n'a pas encore débuté. Elle est marquée débourrée sur la page du catalogue. Jeune jument ici. Pour cette palme sous. Fille de Maresca Sorrento. Puis le cardinal, la fille Great Fan derrière. Fille de Maresca Sorrento, le père de Marek Sous. Famille de Gaël. Le père de Resca Toulouse. Et le père de Farlo Desmotte. 5000 euros, 5, 8, 5000 euros. À 3000 euros, cher Mignon. Double gagnant de groupe l'an dernier. Malheureusement, mal passé dans le grand steeple chase de Paris. Durant l'été, il a passé quelques jours au vacances.
vacances, en vacances plutôt, qu'est-ce que je dis. Il a passé quelques jours en vacances et c'était au Haras de l'Hôtellerie chez Jean-Pierre et Guillaume Berson. Mère gagnant 4 victoires, Red Pal, à 1000 euros. Famille de Gaëlle Océan, Gaëlle Lord, 1000 euros. À 1000 euros, essayez 500 pour la prendre. À 1000 euros, la petite fille de Cadoudal. À 1000 euros, c'est bien vu. Soit la troisième mère, on retrouve du Black Type, c'est Gravière. À 1000 euros, chance, 1000 euros. À 1000 euros, bien vu, 500. Merci Laetitia, 1500. Maintenant, allez-y, Guy, pour 2000. Laetitia, votre enchère, Fabrice, nulle part. Santa Ana Handicap. Et on retrouve également Gaëlle Océan. Laetitia, votre enchère, plus vous, Guy. Ce bon fils de d'Urban Océan. À 1500 euros, personne. Urban Océan, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un fils d'Urban Sea. Laetitia, à 1500 euros. C'est le seul qui n'a pas produit et qui ne s'est pas fait remarquer. Finalement, le seul fils d'Urban Sea, c'est le vilain petit canard, finalement, de la famille. À 1500 euros pour la fille de Masca Sorrento. À 1500 euros. Quoi alors? D'ailleurs, on a eu une rareté en France il y a quelques jours de cela seulement. Une fois l'enchère? 1000 euros. Un fils de d'Urban Sea. Qui a débuté sa carrière d'étalon au Qatar chez son propriétaire. Dernière fois, dernière chance, 1000 euros. Va débuter en France. Ses premiers produits ont 2 ans et sont à l'entraînement chez Peter Shergan d'ailleurs. 1500, faut savoir. Et donc le nom de cet étalon, de cette nouvelle étalon, c'est 6 Legacy. C'est à droite, Guy, c'est plus à vous à gauche. 1500 là-bas, à 1500 le marteau se lève cette fois-ci alors, à 1500 euros. On est à 1500 donc. 2000. Il était temps. À 2000 euros. Essayez 2500 tout de suite. À 2000 euros, à 2000 euros, la petite fille de Cadoudal, 2000 euros. À 2000 euros, l'enchère avec Guy ici. À 2000 euros, c'est bien vu. À 2000 euros, dernière fois, dernière chance. À 2000 euros. On a juste Guy, votre enchère, 2000 euros, merci. Le numéro 92 est présenté par le Hara du Bois d'Argile, appartenant à Katia Rattel. Alligator Millennium, hongre à l'entraînement AQPS, né en 2010. Par True Brave et Galante des Blins, fille de Highlanders. Il est vendu sans TVA. Le fils ici, le True Brave, vendu sans TVA, donc un 3 ans à l'entraînement. Mère gagnant 3 victoires, qui a déjà produit un vainqueur. On voit Paul Nataf de dos. Oui, c'est Paul Nataf qui a signé le bon pour cette palme sous. Donc cette famille de Masca Sorrento, âgée de 4 ans, est en train d'attendre le fils de Troubrave, donc Alligator Millennium. Il est hongre. Ah, c'est un nom qui claque ça, Alligator Millennium. Un AQPS. Un AQPS. Cheval à l'entraînement, âgé de 2-4 ans. À 3 ans à l'entraînement, hongre. Combien de buts chez Poulain? Combien de buts? 5 000. Du même fils de Dancing Brave. 3 000 euros, 3 000 euros, 1 000 euros, l'enchère minimum 1 000 euros. À 1 000 euros, qui m'appelle 1 000 euros, 1 000 euros, chic, Poulain ici, 1 000 euros. À 1 000 euros, j'ai 1 000 euros, Laetitia, bien vu, une seule enchère, 1 000 euros, enchère minimum 1 000 euros. À 1 000 euros, Guy, 2 000, si vous voulez 2 000 euros. À 1 000 euros, Laetitia, votre enchère, 1 000 euros, bien vu. À 1 000 euros, si vous voulez deux, maintenant, qui m'appelle 2 000 euros. À 1 000 euros, votre enchère, Laetitia, ce fils de trou brave, 3 ans, chic, Poulain, hongre, 1 000 euros. À 1 000 euros, tout est fait, 1 000 euros. À 1 000 euros pour aller aux courses, 1 000 euros. À 1 000 euros, 2 000, si vous voulez 2 000 maintenant, 1 000 euros. 500 pour le prendre, à 1000 euros, à 1000 euros le fils de True Brave, 1000 euros, famille AQPS, 1000 euros, à 1000 euros, 500 maintenant, à 1500 euros pour vous, que vous le disiez, à 1500 euros, 2000 essayés, à 1500 euros, à 1500 euros le fils de True Brave, 1500 euros, bien vu, le maire gagnante qui a produit un vainqueur déjà, à 1500 euros, on parle bien la même chose, 1500 euros, à 1500 euros, si vous voulez, 2000 tourons, 2000 euros, à 2000 euros, à 2000 euros, 2000 euros, maintenant 2000 euros, j'ai maintenant 2000 euros, bien vu, à 2000 euros, à 2000 euros, 500 essayés, 500. Chic Poulain, 3 ans, à 2000 euros, 500 pour le bronze, si vous voulez pour vous, Laetitia, 2000 euros, j'ai, à 2000 euros, dernière fois, dernière chance, 2000 euros, à 2000 euros, qui continue les enchères de 2500, si vous voulez, 500, à 2000 euros, la mère 2000 euros, fait un vainqueur déjà, à 2000 euros, Chic Poulain, bien fait, regardez-le bien, à 2000 euros, une dernière fois, une dernière chance pour Laetitia, à 2000 euros, le marteau cette fois-ci peut se lever, à 2000 euros, dernier appel, à 2000 euros, ni en face, ni à gauche, à 2000 euros, pas la main. On voit Joël Boinard et Yves Frémiot sous le chapeau.
2500. Merci. Oui, il pleut maintenant en dehors. 2500. C'est la Normandie. J'irai revoir ma Normandie. À 2500 euros. À 2500 euros, bien vu. À 2500 euros, pas de regret nulle part. 3000. À 3000. Le retour. Le retour du Jedi. Oui, 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 oui. À 3000 euros, Laetitia, pour vous l'enchère. 3000 euros. À 3000. Ah, il non, est tellement pris. Déjà en conversation. Il faut y aller. 3000. À 3000, bien sûr. À 3000 euros maintenant. 3500, si vous voulez. 500. À 3000 euros l'enchère. La salle, c'est un peu à 3000 vidé. Euros, le marteau se lève. À 3000 euros pour vous, Laetitia. Enfin, le pourtour du ring, on va dire, c'est un peu vidé. T'as trop barre, du coup. 3000, Laetitia, merci. 3000 euros. Le numéro 93 est présenté. 93, 9 cubes. À Josette Lasseur, Cantario. Mal Béfoncé, née en 2010 par Cap Garde et Gany Blue, fille de piste. Cantario, Cap Garde. Famille de la Señora devant vous qui va arriver, le fils de Cap Garde. La mère qui a déjà produit deux vainqueurs ici, famille de la Señora. Qui comptabilise plus 660 000 euros de gains. Cap Garde, pardon, et Gany Blue, il y a des gens qui me font rire là. Alors, Cap Garde et Gany Blue. Alors, le frère de Speedy Woodpecker, Tex Avery bien sûr. Il y aura des Godrelles, Josette Lasseur qui nous présente ce jument qui n'est pas une jument, qui est un mâle. Un mâle, oui, effectivement. Bonjour, c'est le grand retour du Jedi, effectivement, qui n'est pas habillé en blanc mais en noir, avec cette magnifique veste francir.com. Cantario, donc il est né le 16 mars 2010, il vient de prendre 4 ans. C'est un petit neveu de Lune d'Or qui a gagné sous la casaque de Moussac le premier Lydia Tesio, groupe 1. En Italie, à l'époque, il y avait encore des groupes 1 en Italie. Elle s'est imposée également dans le prix de Pomone, groupe 2, ça c'est à Deauville. Ainsi que le prix de Malray, groupe 2, ici c'est Antoine Gronfier. Donc une souche purement de Moussac, puisqu'on y retrouve Viol d'amour, la quatrième mère avec un E, Viol d'amour, la mère de Lutte Enchantée, merveilleuse, Lutte Enchantée, gagnante. Du Pouli Moulin de Longchamp sur 1600 mètres, du Jacques Lemarois sur 1600 mètres également, mais aussi troisième. D'un prix de l'Arc de Triomphe sur 2400 mètres, évidemment. Donc 2000 euros pour ce Cantario qui est encore entier. C'est assez rare pour des chevaux qui ont un profil d'obstacle, puisque c'est un fils de Cap Garde avec une mère par pistolet bleu, bien que soit grand-mère, soit elle issue de Kendo. 2500, merci. À 2500 euros maintenant. À 2500, bien vu, 3000 jets. À 3000 euros. À 3000 euros, 2500, si vous les voulez, j'ai 3000 à la tribune, 3000 euros. À 3000 euros, 500, si vous les voulez. À 3000 euros, bien vu. À 3000 euros, pour moi, l'enchère. À 3000 euros, dernière fois, dernière chance, Laetitia, je vous entends plus. À 3000 euros. Un poulain qui a des bons points de force, un fils de Cap Garde. À 3000 euros, c'est bien vu, pas le regret nulle part. À 3000 euros, mon enchère à la tribune. À 3000 euros, ni à gauche, ni en face. À 3000 euros, dernière fois, Laetitia, je ne vous entends plus. À 3000 euros, tout de même. À 3000 euros, c'est bien vu ce chicoulin. À 3000 euros, le marteau se lève cette fois-ci. À 3000 euros, pas de regret dans la salle. À 3000 euros, le fils de Cap Garde, famille de la Señora, la mère qui a fait les gagnants. À 3000 euros, bien vu, pas de regret. À 3000 euros. On a du 3000 pour moi, merci. Alors, on a juge à 3000 euros. C'était une enchère qui était prise directement par Antoine Gronfier. On va passer au 94, Gazou. Gazou, même, qui porte le nom de Sou. Pourquoi ? Parce qu'il a été élevé, il est présenté par le haras de Sou, Gilles de Roubaix. Et donc, le haras de Sou donne les noms de Sou à toute sa production. Alors, c'est étonnant, il pleut en Normandie. Il ne pleuvait pas tout à l'heure, mais cela ne pouvait pas durer. Évidemment, maintenant, le ciel s'est ouvert et se déverse sur la Normandie. Il n'y a pas que la Normandie. Hein. Quand on a vu les courses d'hier à Caille-sur-Mer, mais aussi à Pau, où les terrains sont malheureusement défoncés lourds, eh bien, ça arrive aussi, bien sûr, en Normandie, où on en est un peu plus habitué. Oh, belle bête que ce Gazou. Un Hongre de 4 ans. Il vient de prendre 4 ans. Il est né le 19 février 2010. Il est alsan comme son père, forestier, un fils de Nikos.
qui fut longtemps d'ailleurs forestier le premier, et je crois que c'est le seul fils de Nikos qui soit étalon en France. Il y a un petit-fils de Nikos désormais qui est étalon en France, c'est Cocorico, dont la mère est par Nikos, le fils de Robin Deschamps. Donc Lisa Dupont, c'est sa mère par nombre premier, croisement assez étonnant entre forestier, cheval de qu'un profil plutôt de longue distance, sur une mère par nombre premier. Très bon étalon, nombre premier. Qui fait la monte, qui faisait la monte pendant longtemps au Rad d'Aigues-Mortes chez le docteur Pugnot, qui désormais saillit des Anglo-Arabes chez monsieur Gaillard, Jean-Luc Gaillard, un Rad de Beaulieu. Donc Lisa Dupont a déjà donné naissance à un vainqueur en 6 produits. Un vainqueur qui s'appelle, une lauréate d'ailleurs, qui s'appelle Topaz Dupont, une fille de Fally Ransom qui a gagné 2 courses. Mont-de-Marsan notamment. Laetitia a essayé 2000, j'ai 1500 moi. À 1500 euros, c'est pour moi alors en face. À 1500 euros, c'est bien vu cette fois. Alors, ce cheval est précisé, il est précisé qu'il est débourré, bon, à 4 ans. Mais il n'a pas débourré. À 1500, il en sert 2000. À 2000 euros maintenant. Il est beau, il a du modèle. 2000 euros, s'il y a 500 en face. À 2000 euros, c'est là. À 2000 euros pour vous, Sylvain Lenchère. À 2000 euros, le petit-fils de Nikos, 2000 euros maintenant, 2000 euros. À 2000 euros pour vous, Sylvain, à votre enchère. À 2000 euros. À 2000 euros, ce petit poulain de 4 ans, 2000 euros. À 2000 euros, dernière fois, dernière chance, le fils de forestier avec une mère qui a produit un gagnant. À 2000 euros, on parle bien de la même chose. Eh oui, on parle bien du même cheval qui s'appelle Gazou, qui va être, ou Gassou d'ailleurs, qui va être adjugé maintenant. 2000 euros, terminé en face. À 2000 euros, l'enchère à gauche. À 2000 euros. On a adjugé Sylvain, 2000 euros, merci. Voilà, on a adjugé, pas au prix plancher, parce que le prix plancher c'est 1000 ou 1500 euros. Style à Louvain. On a adjugé 2000 euros. C'est Joël Boinard qui nous présente le lot suivant. Fille de Lou qui s'appelle. Qui s'appelle pas Gianni, parce que le 95 est absent. Dont Opera Dream. Qui s'appelle Stila Louva. Elle est présentée, c'est une femelle effectivement par Joël Boinard, qu'on a vu tout à l'heure à l'antenne d'ailleurs. 3 ans, elle est grise, elle vient de prendre 3 ans, donc elle est grise, comme son grand-père de mère, Kaldoun. Alors c'est la famille, c'est la sœur de Katmandoun, Katmandoun gagnante pour Joël Boinard d'ailleurs, sous la selle de Alex Roussel d'une Listed, en l'occurrence le Grand Prix du Lion d'Angers. Au Lyon d'Angers, qui a été exporté ensuite pour la fille au Japon. La mère Louvardi, Lou Solitaire, a fait 2 autres vainqueurs, pardon, Cantando et Béamor. C'est la famille, célèbre famille de Daniel Cherdeau, celle des Évés, de Kaldoun Évé, de Varévé. Varévé, c'était aussi chez Joël Boinard. Deuxième battu de rien dans un prix du cadran. Et cette pouliche qui a 3 ans n'a pas couru. Elle est sans sortie provisoire d'entraînement. Laetitia maintenant, 1000 euros, bien vu. À 1000 euros. À 1000 euros maintenant, 2000 si vous le voulez. À 1000 euros. À 1000 euros tout de même. À 1000 euros, allez-y. 1000 euros. Ah, voilà. Il y a une petite coupure de courant. Les lumières se sont éteintes, mais. Les magnifiques lumières de ces tribunes historiques de l'hippodrome de Clairefontaine, 1000 euros seulement, 1000 euros, à 1000 euros, qui respirent bon le parfum suranné des courses d'antan. Alors il y a un monsieur là qui est, là on les voit là, les tribunes de Clairefontaine, c'est très joli, regardez, c'est vraiment dans le style, de la Belle Époque. Et ici, Clairefontaine, c'est toujours la Belle Époque, parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde aux courses. 1000 euros, dernière fois, dernière chance. Bon, allez, 1000 euros, je crois qu'on va juger là. 500, essayez dans la salle. 500, bien sûr. 500, ah ben non, j'ai trop vite. Effectivement, Antoine a décroché 500 euros supplémentaires pour Style La Louva, la numéro 96. 500, à 1500, essayez 2000 si vous voulez. À 1500 euros tout de même. On parle bien de la même chose, une demi-sœur de Black Type. À 1500 euros. La demi-sœur, effectivement, de gagnante de Black Type, non seulement Black Type, mais gagnante de Black Type de la famille de Kaldoun Évé. 2500 euros, une fille de Desert Steel. 1500 euros, le marteau peut se lever. Alors, Laetitia, pour vous, à 1500 euros, pas de regret nulle part. À 1500, essayez 2000 tout de même. À 1500 euros, à gauche, 2000, non. À 1500 euros, alors, ni en face. À 1500 euros, bien vu. À 1500 euros. On va adjuger. 1500. Eh oui, Laetitia. Le numéro 97 est présenté par ITS Consignment, Judas Joe, jument à l'entraînement Alza, né en 2009 par Mutatir et Lovna, fille de Tale of the Cat. Cette jument a été vue tourner dans le box. Elle est vendue sans TVA.
Ah, voici Olivier Pellier, donc Joël Boinard qui rachète sa pouliche. Et derrière, eh bien sous le bonnet, bah c'est évidemment c'est la superstar, c'est la vedette Olivier Pellier qui est là. Joël Boinard qui est en train de discuter avec le docteur Frémio. Bah, c'est sympa, tiens, justement, je cherchais à vous montrer Olivier Pellier. Mais Lise Super Lily, notre cadreuse hollywoodienne, a réagi plus vite que son ombre. Il n'y a pas d'ombre aujourd'hui, il pleut. Mais bon, elle vous a montré Olivier Pellier qui est ici à côté de Joël Boinard, tout près aussi. Émilie, son épouse. Judas Joe, le 97. La 97 est une fille de Mutatir. Qui s'appelle donc Judas Joe, ça j'ai déjà dit. La mère c'est Lovna. Alors Judas, je sais pas quoi, c'est le nom de Judas qui j'ai du mal à prononcer, moi qui suis un grand catholique. Judas Joe a couru, beaucoup couru, même 32 fois. Elle a gagné à 3 reprises en France et en Suède. En fait, l'histoire, c'est qu'elle a commencé, c'est marrant, ça, elle a commencé sa carrière en Angleterre. À 2 ans, elle a couru une fois en Suède à Tabby et elle a gagné une bonne course, hein, 22 000 euros au premier. Et puis après, elle a continué en Angleterre. Et puis après, à 4 ans, elle est venue en France. Elle a gagné une petite course à. Une course quand même à Fontainebleau cette année, enfin dans l'année 2013. Alors qu'elle avait 4 ans, c'est la famille de Catella, l'allemande Catella, fille de Généros. Catella qui portait la casaque Catella rouge manche bleue de Gestüt Schlenderan à l'époque où Madame von Ullmann était encore des nôtres, la mère du baron Georges Catella, donc qui s'était imposée dans un groupe 1, le grosseur Engdars Price en Allemagne, qui a fait une bonne carrière aussi internationale, cette femelle, puisqu'elle était 3e de la Breeders' Cup. Donc voilà, 4000 euros pour cette triple gagnante. À 4500 euros, bien vu. Cigarette électronique. Alors, c'est bien vu, pas le regret. Marie Rolando de Cavalassure. 4500, gagnant 6 victoires. À 4500, fille de Mutatir. À 4500, on parle bien de la même chose. À 4. Et oui, on parle bien de la même chose, comme il le dit. À votre enchère. À 3 victoires donc pour Judas Joe. Et elle est vendue 4500. Elle sort de l'entraînement. Elle est présentée par ITS. Elle est à l'entraînement, pardon. International Taureau Bred, enseignement. Le numéro 98 est absent. Alors, pas de 98 essentiel. Présenté donc, par le Hara de Sou. On passe au 99. Marie Sou, une fille de Maresca Sorrento, qui est une jument très bien née pour l'obstacle, puisque c'est la propre sœur d'un gagnant de groupe à Auteuil. Marex Sou. Je prononce bien Maresc Sou. En fait, c'est M-A-R-E-S-C-S-O-U. S-C-S-O-U. Maresc Sou. Donc, Marisou qui a gagné le Jean Stern chez Guy Cherel. Donc, c'est une fille de Maresca Sorrento, dont tout le monde sait maintenant qu'il fait la monte en 2014 au Hara du Lion. Et donc, c'est la propre sœur d'un gagnant du Jean Stern, groupe 2, pour les 4 ans, sur l'hippodrome d'Auteuil. Souche allemande à la base. La souche des T, Tiberius Triante, qui a gagné le prix de Diane sous la troisième mère, prix de Diane allemand, bien sûr, hein, le prix de Diana, et qui a été aussi deuxième du prix Royal Oak 1 groupe 1. 1000 euros, la fille de Maresca Sorrento, 1000 euros. Guy Blasco, qui est accompagné, entouré de moi-même, qui est là. Bonjour. Merci, Laetitia. Est-ce que j'en mets une ou pas? 1 000 euros pour les 20, 1000 euros. 1 000 euros, 2 000, si vous voulez, 2 000 euros. 1 000 euros, j'ai une. Alors, Marisou n'a pas. Est débourrée, n'a pas débuté. Elle vient de prendre 3 ans, ce qui est tout à fait normal qu'elle n'ait pas débuté, puisqu'elle vient de prendre 3 ans et c'est une souche d'obstacle. Deuxième Jostern, à 1000 euros. À 1000 euros, on parle bien de la même chose. 1000 euros. À 1000 euros, si vous voulez, 2000 maintenant. À 1000 euros, une seule enchère minimum. À 1000 euros pour une propre sœur de Black Type. À 1000 euros. À 1000 euros, 500 si vous voulez. À 1000 euros maintenant, 500 si vous voulez. 500 qui m'appelle, 500 si vous voulez, pour 500 euros. Pour 500 euros. Ah, 500 euros. Parce qu'effectivement, l'enchère minimum, je vous avais dit tout à l'heure 1000 euros, mais l'enchère minimum est à 500 euros. À 1000 euros, 500 pour la prendre, la propre sœur de Maresca. Alors pour l'instant, on attend une enchère. Enchère, Laetitia. À 1000 euros, en face, vers la ligne à gauche. À 1000 euros, c'est votre enchère, Laetitia. Ah, il y a une enchère à 1000 euros, donc on ne va pas descendre à 500, évidemment. À 1000 euros, très bon pédigré ici d'obstacle, à 1000 euros. À 1000 euros, la fille de Maresca Sorrento, c'est bien vu. À 1000 euros. Maresca Sorrento, le père de Farlo Demotte. Farlo Demotte qui a tous les honneurs de France Gallo News d'ailleurs. Une toute récente publication faite par France Gallo avec une interview de son propriétaire, monsieur Lapoujade, Jean-Marie Lapoujade. Le numéro 100. Le 100 est un supplément, c'est le feuille vert clair. Le 100 c'est un supplément. Pour
une solution d'association. Alors, le sang est un supplément qui n'est pas celui-là. Qui est le qui est le sang? Fille de Alida. Pilgrim des haies. Pilgrim des haies, qui porte le numéro 100, est une femelle de 3 ans, fille de Panis et Silver Queen. Superbe pédigré, puisque c'est la sœur de Silva, gagnante très rapide, pouliche gagnante des prix Zedan et Sigi de course de Liston. Là voilà, elle va arriver dans quelques instants. Elle est couverte, hein, parce qu'il pleut vraiment, et ça drache, hein, comme on dit dehors. Et c'est aussi la sœur de la mère de Silver Pond, des Silver Point, famille de Savoie, famille de Sillery. Souche aussi de Miasson. Ah bah ça c'est marrant parce que c'est la cousine de Miasson qui a gagné le Motri cette année. Miasson et Miasson, c'est un fils de Panis. Donc là nous avons le 3 quarts sœurs de Panis qui se présente ici. Elle s'appelle Pilgrim des Haies. Elle est née le 11 mai 2011 et elle est à l'entraînement mais n'a pas couru encore. Elle a que 3 ans. Elle vient de prendre seulement 3 ans et elle est présentée dans le cadre d'une dissolution d'association. Ça c'est un bon pédigré. Hein. C'est le numéro 100, s'il vous plaît. 5 000 euros, qui débute 5 000, 5 000 euros, 4 000 pour débuter 4 000 euros, 1 000 euros en chair minimum, 1 000 euros qui débute 1 000, j'ai maintenant 1 000 euros, merci Guy, 1 000 euros votre enchère. 1 000 euros. Oui, bah 1 000 euros évidemment, parce qu'elle est quand même assez grande cette jument. Fille de Panis à 1 000 euros. Fille de Panis, la cousine, 3 quarts sœur de Miasson. 3 000, allez-y. Gagnant, puisque Miasson est un Panis lui-même, gagnant du Motri en 2013. Sort de Savoie, de Silva. C'est la tante de Silver Point et de Silver Pond que vous avez bien connu, il y a des chevaux de course robustes. Silver, lequel des deux était à l'entraînement chez Freddy Head? C'était Silver Pond. Élevage du rat du Kenney. 500, si vous voulez 500, à 3500, 4000 maintenant, à 4000 euros, à 4000 euros, si vous voulez 5000, tout de suite, allez-y, à 4000 euros tout de même. Regardez le pédigré, une fille de Panis à 4000 euros. Joli. À 4000 euros tout de même, demi-sort de Black Tap, à 5000 maintenant, à 5000 euros, à 5000 euros, si vous voulez 6000 euros maintenant, Sylvain, votre enchère, à 5000 euros, à 5000 euros pour la branle, à 6, si vous voulez, à 5000 euros, à 5000 euros, votre enchère, Sylvain, 5000 euros. Monte gentiment. À 5000 euros la famille de Silverpoint. Bon, on va pas s'enflammer parce qu'elle n'a pas couru, mais. À 5000 euros, Sylvain, votre. Mais c'est un très joli pédigre. 5000 euros, dernière fois. Qui part seulement pour 5000 euros. Pour se lancer dans l'élevage, c'est quand même une bonne base. Hein. Panis, c'est un étalon qui revient dans la maison, on va dire, puisqu'il revient au ras des faunes cette année. À 5500, si vous voulez. Bon, un étalon archi confirmé. Lui-même fils de Mizuoki, père de mère de Galileo. Et à 5500, dernière fois, 6000 bien vu. C'est pas fini, 6500 désormais. 6000 euros avec Sylvain bien vu. À 6000 euros. 6000 tout court d'ailleurs, pardon. 6000 euros maintenant, tout mon pédigré, 6000 euros, allez-y. À 6000 euros. À 6000 euros, 500. Essayez 500 au téléphone. À 6000 euros, 500 pour la prendre. Un pédigré de la sorte, une chic pouliche. À 6000 euros, vous allez. C'est la fête à la grenouille. À 6000 euros, une dernière fois, une dernière chance. À 6000 euros, l'enchère est pour Sylvain à ma gauche. À 6000 euros, pas le regret nulle part. À 6000 euros, ni à droite, ni en face. Hugo au téléphone. À 6000 euros, l'enchère là-bas. À 6000 euros, le marteau se lève. À 6000 euros. On a dû, Sylvain, votre enchère, 6000 euros. Le numéro. Ok. 6000 euros donc pour le supplément qui avait le numéro 100. Donc on revient dans le catalogue original, on va dire, avec le 101. Le 101, c'est Rivellino. À noter qu'il a été vu tiquer légèrement à l'appui. Alors, Rivellino est un Hongre qui vient de prendre 3 ans, un fils de Smadoun qui n'est pas gris comme beaucoup de Smadoun. Lui est bel et bien bai. 4 vainqueurs. Et sa mère, c'est Bejaflor. Il a été vu, alors ça c'est très important, il a été vu tiquer à l'appui. Combien de buts? Où est-ce qu'il est? Donc ça, c'est un fils, un vice-rédhibitoire. Donc il faut absolument que ce soit annoncé Famille Blue au préalable à l'antenne. Et même croisement, Blue Brésil, Smadoun, fils de Smadoun, ici Rivellino par Smadoun. Le voilà. Famille Deuil du Maître, très bon, très bonne souche d'obstacles. Alors, une souche. Il y a pas mal de choses à dire sur cette souche. C'est la famille Deuil du Maître, comme vient de l'annoncer Antoine Gronfier. C'est aussi la famille de Tin Horse, étalon
Donc œil du maître, je ne l'ai pas précisé, il a gagné la grande course de d'Auteuil, tout de même. Tinors, lui, il a gagné la poule de Cé des Poulains. Il était étalon à de Grand Camp. Nous irons le voir dimanche dans le cadre de la route des étalons avec Calformine et Killermeur. Et quoi? Et donc, c'est aussi la famille de Miss Salvador. Une fille de Smanon qui a gagné le prix de Flore, groupe 3. Et c'est aussi la famille de Blue Brésil, les talons qu'on connaît bien, qui était lui aussi un fils de Smanon. Donc en fait, l'idée là, ça a été de... Tiens, on voit ici Manuel Viau qui a quitté le micro, Paul Nataf et Guy Blasco. Donc l'idée avec Rivellino, c'était de refaire le croisement, bien sûr, qui a si bien fonctionné avec Smanon, puisqu'il y avait eu avant Miss Salvador et Blue Brésil. De même que Fille du Brésil, qui est une fille de Smanon ayant étant restée inédite, mais qui a donné naissance à danseur brésilien, deuxième du prix. Salvador, Blue Brésil, l'œil du maître, à 3000 euros, c'est bien vu. Chic Poulain, 3 ans devant vous, à 3000 euros, c'est pas le regret d'une. Alors la mère Bégiflore n'a pas couru parce que victime d'un accident yearling. Elle a donné naissance à 10 produits en âge de courir, 4 vainqueurs. À 3000 euros, pas le regret d'une part. Plutôt des chevaux de plat d'ailleurs. On a vu 3000 Guy Vautrancheur. Voilà, mais celui-là. Le numéro 102 est présenté par le Hara des Gauderelles, appartenant à... Il n'est vendu que 3000 euros. Bon, il n'y avait pas non plus un physique. Elle est nommée Yannison. C'est une pouliche B née en 2011 par Zambesison. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, le 102, le prix le présenté par le Hara des Gauderelles pour Josette Lasseur, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Une affection de la peau qui, à ce jour, est cicatrisée. Une affection de la peau qui est cicatrisée. Donc tout va bien. Alors, une fille de Zambesison et Gany Blue. On a vu tout à l'heure une produit de...